Hello, bonjour à tous et bienvenue dans le Facebook Live d'aujourd'hui en direct sur la page du Journal du Golf. Et j'ai un énorme plaisir d'être en compagnie de mon bon ami et pro de golf, Joël Bernard, de Mon Coach de Golf. Salut Joël. Salut Louis. Ça va, salut à tous. Je vois que tu es bien, le confinement à l'extérieur aujourd'hui. C'est pas facile. On est presque sur la fin d'ailleurs tout à l'heure. Soyez présents pour le Facebook Live à 17h, on sera en direct avec le médecin de la Fédération Française de Golf. On parlera des mesures sanitaires que vont devoir prendre les golfeurs et les pros de golf à la sortie du confinement qu'on l'espère. On croise les doigts, c'est pas encore officiel le 11 mai parce que vous avez vu qu'aujourd'hui il y a eu l'annonce des différentes zones avec les couleurs, etc. Bon bref, entre temps, je voudrais juste faire un petit test son parce qu'on était en train de faire quelques tests juste avant de démarrer ce live. Donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je vois qu'il y a Patrick qui est là, Jacques qui est là, Jean-Paul qui dit salut Joël, hello Lewis, Claude qui dit salut. Il y a même des personnes qui disent j'enregistre le live car je peux pas voir en direct. Ok, d'accord, peut-être au travail. Jean-Claude Olivier qui dit bonjour Lewis, plein de personnes qui sont connectées. On est déjà à plus de 100 personnes Joël, alors que ça fait que quelques minutes qu'on vient de démarrer le live. Donc si vous m'entendez et si vous nous voyez, est-ce que vous pouvez juste nous mettre un petit OK dans le son, dans la zone de commentaires, son OK ou salut les gars, juste un petit mot pour nous indiquer que c'est bon, que tout marche. Et moi en même temps, je vais juste faire une petite manip de mon côté. Hop, le son il doit être encore mieux. Alors Joël, aujourd'hui on a décidé d'aborder un thème, la question qui nous revient fréquemment, c'est la question toi qui enseignes depuis tant d'années et moi qui est dans qui enseigne depuis plus de 15 ans et qui est dans le milieu du golf depuis que j'ai 3 ans, je l'entendais quand mon père à l'époque coachait, je l'entends depuis que je coach, c'est Lewis, Joël, comment est-ce que je fais pour devenir un joueur plus régulier? C'est le mot magique au golf, la régularité, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Et là aujourd'hui on a décidé de se mettre en partenariat pour ce live et en collaboration et pouvoir donner vraiment à travers toute notre expérience qu'on a pu accumuler à la fois avec des joueurs amateurs et professionnels, des clés qui pourront permettre aux amateurs qui nous regardent aujourd'hui de comprendre comment ils peuvent devenir réguliers. Ouais. Tu m'as posé une question là ? Je t'ai pas posé de question, mais j'étais en train de lire les commentaires en même temps. C'est pour ça que je ne sais pas. Attends, pourquoi j'enchaîne là ? Non, mais c'est vrai que... Donc du coup, Joël, la dernière fois qu'on a fait le live, on a parlé du fait que est-ce que les golfeurs peuvent progresser en ligne ? Et puis nous, la raison pour laquelle on enseigne, c'est vraiment pour permettre aux golfeurs de devenir autonomes. Et la régularité, ça passe aussi par la compréhension de l'autonomie, de savoir quelles clés on doit mettre en place. Et donc aujourd'hui, on a décidé de s'accentuer sur trois clés principales qui vont nous permettre en fait, ou qui vont permettre aux amateurs de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire au quotidien. La régularité pour moi, et là Joël, je vais vouloir que tu rebondisses là-dessus. Ouais. Pour moi, la régularité, c'est quelque chose qu'une personne peut reproduire systématiquement. Et surtout la régularité, quand je parle de régularité, je me focalise sur les éléments qu'on puisse contrôler. Parce que les éléments qu'on ne peut pas contrôler, la météo est un exemple, c'est un facteur qui n'est pas régulier, par exemple. D'accord ? La régularité, c'est peut-être... Ben, on en rentrera dans les thèmes, on ne va pas tous les dévoiler maintenant. Mais donc, du coup, premier thème important, Joël, que toi, tu vas commencer à dévoiler un peu à travers ce système de régularité. Quel est pour toi un des premières clés qui sont primordiales pour la régularité dans le jeu des golfeurs ? Ouais. Alors, souvent, la première clé qu'on utilise pour améliorer la régularité d'un joueur, c'est quoi ? C'est d'améliorer sa technique. D'accord ? De manière, on va dire, quasi systématique, eh bien, on va essayer d'intervenir sur la technique. Et moi, pendant des années, j'étais convaincu que c'était le fait d'avoir un swing épuré, d'avoir un swing avec le moins de compensation possible, qui permettait d'arriver justement à une meilleure régularité. Il faut comprendre un truc, c'est que, comme tu l'as dit, c'est le Saint Graal, en fait, la régularité. Pour arriver à être un bon joueur de golf, on est obligé d'augmenter ce qu'on appelle son seuil de régularité, sa capacité à enchaîner des coups corrects. Pas que des coups parfaits, heureusement, mais des coups corrects. Le principe, c'est qu'il y a l'expression que tout le monde connaît, les golfeurs aguerris connaissent, c'est « on n'est jamais à l'abri d'un bon coup ». Faire un bon coup, même un débutant peut rentrer un putt de 20 mètres ou sortir un fer 7, taper parfait en plein milieu, etc. Super. Là où on commence à voir la qualité d'un bon joueur, c'est quand il est capable de le reproduire. Et si vous mettez un joueur qui est 30 avec un saut de balle qui tape des balles, un joueur qui est 20, un joueur qui est 10 et un joueur qui est 0, il va y avoir certes une différence dans la qualité de frappe de balle, mais au final, ce qui va le plus
changer, c'est leur capacité à répéter, répéter et répéter. Et le piège, justement, et c'est pour ça qu'on va en parler, je pense que les trois sujets qu'on va aborder avec Lewis, va vraiment vous interpeller, c'est que souvent, on se dit que c'est par la répétition qu'on va réussir à obtenir cette régularité, sous prétexte qu'on répète, et bien on va devenir régulier. Or, on le sait tous, et on le sait quand on y a déjà passé beaucoup d'heures, c'est pas la seule clé. Ça compte évidemment la répétition, mais c'est vraiment pas la seule clé. Et donc la première clé pour moi, c'est d'utiliser la bonne technique. Comme je vous disais au début, moi j'essayais de donner la technique la plus pure possible, c'est-à-dire que j'avais un modèle, un idéal de swing, et je me disais plus j'emmène les gens vers ce modèle idéal et plus ils seront réguliers. Du coup, j'avais, pour ceux qui connaissent, dans les années 2000, ils ont sorti le swing model. Tu connais toi ça, Lewis? Tu sais, ils ont combiné 50 swings de joueurs, 50 ou 30, je me rappelle plus exactement. 50 joueurs du boot, on va dire 30. 30 joueurs du PGA Tour, 30 joueurs du LPGA et 30 joueurs ou 20 joueurs, je sais plus, du Senior Tour. Et ils ont fait une moyenne. Sauf que, et donc ça donnait un swing, voilà, super beau, etc. Et donc moi, je mettais le modèle à côté. Je mettais le joueur pendant des années parce que je travaillais avec le V1 à l'époque, avec les caméras, etc. Ça n'existait pas, il n'y avait pas les applis, il n'y avait pas les téléphones et tout ça. Et j'essayais de rapprocher, tu vois, regarde lui, tu as vu sa position, il faut que tu sois plus. Et donc je me servais du modèle et j'essayais de mettre les gens, donc comme on dit, dans un moule. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas mieux au final. Le swing est plus joli à regarder, ça fait des bons coups quand on fait tout bien, mais une fois qu'on est sur le parcours, qu'est-ce qu'on fait? On y réfléchit trop, on n'est pas en pilote automatique. Et ensuite, j'ai commencé à essayer de personnaliser la technique et plus amener l'élève vers la technique pour qu'il fasse l'acteur ou quelqu'un qui va mimer parfaitement un bon swing. Là, ce que j'ai essayé de réfléchir, c'est quelles sont les forces de la personne et comment lui permettre de les utiliser. Et là, on est arrivé dans les systèmes de swing. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai commencé à étudier plein de systèmes, mais plus j'en étudiais et plus c'était flou parce que il y avait beaucoup de choses qui s'opposaient. Et enfin, donc maintenant, là, ce que je fais moi, c'est que j'utilise pour personnaliser la technique, puisque je suis convaincu que c'est la clé, c'est de proposer un système de swing qui correspond à la coordination naturelle de chacun. Voilà. Donc pour moi, pour arriver à être régulier, il faut jouer avec ses atouts, essayer de contourner ses faiblesses, on va dire physiques, et utiliser, on va dire, les schémas qu'on utilise d'un point de vue coordination. Les comprendre pour pouvoir ensuite mettre un système qui va permettre au joueur de s'exprimer sans toujours essayer de contrôler ce qu'il fait en jouant. Voilà ma philosophie en tout cas, et ce que je vous invite à faire pour ça, parce que ça c'est l'historique. Maintenant, comment faire quand on est joueur de golf pour se rapprocher de ça? Mon conseil, c'est de vous rapprocher de vos sensations. On ressent intuitivement ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Donc, par exemple, je le fais tout le temps et je vais le refaire parce que ça va super vite. Je l'ai fait dans le dernier live la dernière fois, Lewis. Je vais vous demander de croiser les bras parce que peut-être qu'il y en avait pas qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais vous demander de croiser les bras et là, vous observez quel avant-bras est au-dessus de l'autre. D'accord? Ça peut être l'avant-bras droit ou l'avant-bras gauche. D'accord? Ça, c'est votre façon naturelle de croiser les bras. Simplement, on peut croiser les bras d'une autre façon, c'est-à-dire faire l'inverse. Allez-y. Vous croisez les bras. Ah, vous changez et là, vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous le dire dans le... J'ai pas accès au chat, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe lorsque vous mettez l'autre bras au-dessus? Donc, et pendant que vous écrivez, ce qui se passe, c'est que la clé, c'est d'identifier cette préférence. Celle-là, c'est une préférence parmi tant d'autres, mais d'identifier des préférences qui vont être importantes et les respecter pour choisir le bon swing. Moralité. Dès que vous avez cette sensation, a priori, je ne sais pas si les gens répondent, Lewis, mais d'inconfort, dès que vous sentez une gêne, ça veut dire que vous vous éloignez de votre façon naturelle de faire. Mais le confort... Les gens sont en train de dire pas à l'aise, inconfortable, je me sens mal à l'aise, pas à l'aise, pas simple, pourquoi? Donc voilà, donc il y a pas mal de commentaires dans ce sens-là. Ouais. Et parmi vous, je suppose que beaucoup ont pris des leçons de golf, que ce soit au début, que ce soit pendant que ce soit encore aujourd'hui, etc., pour se perfectionner. Et vous avez remarqué qu'il y a des leçons où c'était génial, le conseil donné, c'était super facile, ça partait tout seul. Et d'autres fois, qu'est-ce que c'était galère? Eh ben, c'est tout simplement que le conseil matchait avec vos préférences et l'autre fois, les conseils ne matchaient pas avec votre préférence. Donc, il faut trouver le bon compromis, confort, résultat. Si vous êtes à l'aise, mais que la balle ne part pas ou part très mal ou de façon irrégulière, c'est que vous n'avez pas tout à fait la solution. Mais quand vous commencez à avoir ce côté confortable, pas de contraintes et un résultat qui s'améliore, là, vous êtes sur un vrai déclic. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter ensuite. Donc, voilà mon conseil.
pour démarrer, déjà, au moins, c'est d'aller chercher, de par ce que vous dit votre corps, de par vos sensations, ce qui match pour vous. Et bien sûr, regardez le résultat. Il faut aussi analyser le résultat pour voir si c'est un déclic ou si c'est juste un feu de paille. Et toi, Lewis, par rapport à cette technique ? Ouais, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, Joël, c'est que déjà, on va dans le haut niveau du coaching, dans le coaching disponible pour tous les joueurs amateurs, dans le sens où on va dans la personnalisation de swing. Quand on allait dans le modèle type de swing auparavant, comme tu l'as découvert il y a 20-30 ans à travers plusieurs bouquins de spécialistes, on voyait l'enseignement dans une seule dimension. Là, on a la capacité aujourd'hui de... Ouais. Voilà, la modélisation. Et puis aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir vraiment ouvrir tu vois, notre esprit sur plusieurs façons de faire et surtout sur la façon de faire qui correspond au joueur qu'on a devant soi. Et donc... Et on en parlait ce matin, toi, Lewis. Toi aussi, ouais. Tu personnalises, mais tu utilises un autre canal, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc moi, j'utilise en fait les Techless Performance Institute auxquels je me suis formé. Il faut savoir qu'en fait, moi, quand j'étais dans une démarche de personnalisation, je me suis tout de suite rapproché en fait d'un système où je me suis dit qu'est-ce qu'ils utilisent. Parce que quand tu regardes les 10, 20 meilleurs joueurs au monde, tu réalises qu'il y a plusieurs façons de swinguer un club de golf. Il n'y a pas un modèle. Même si nous avons tous les deux, on en a parlé ce matin, on a des préférences esthétiques, on va dire. On a des swings, quand on regarde, on se dit waouh, par exemple, le swing de McIlroy, quand on le regarde, on se dit waouh, il est incroyable ce swing, il est magnifique. On voudrait pouvoir faire un copier-coller, mais c'est juste impossible. Ce n'est pas possible physiquement, techniquement et par rapport à la morphologie de la personne. Enfin, tu vois, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et quand tu regardes un joueur comme Jim Furyk qui a été critiqué pendant des années par l'esthétique de son swing aussi, où des joueurs disent, si tu dis voilà, tu préfères le swing de Rory et Jim ou Jim Furyk, il y a beaucoup de joueurs qui vont dire bah Rory. Mais il faut savoir que l'efficacité du swing de Jim est en fait plus performant à l'impact. Donc les données TrackMan montrent que Jim Furyk est un des joueurs qui arrive à avoir la face de club la plus square à l'impact de la façon la plus régulière possible. Donc le swing de Jim, qui peut paraître un peu différent ou atypique de ce qu'on peut voir sur un modèle classique qu'on a pu découvrir il y a des années et des années, qu'on aime, hein, on n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas, mais on aime beaucoup. Mais on a découvert que finalement, c'était très important de comprendre son système de swing et comprendre son système de swing par rapport à ses limitations physiques aussi, ou ce qu'on était capable de faire, pardon, physiquement parlant. Donc quand j'ai un joueur qui vient me voir et qui me dit « Lewis, j'adore le swing de Rory, je voudrais bien swinger comme Rory », et là on fait des tests, je sais que tu fais beaucoup de tests aussi, donc j'en fais aussi, et là je fais quelques tests, hein, et que la personne réalise qu'en fait elle n'était pas physiquement capable de swinger comme Rory, tu vois, je lui dis bah déjà, voilà, on ne peut même pas essayer de faire une comparaison ou de s'inspirer du modèle de Rory si physiquement tu n'es même pas capable d'arriver dans les positions que toi-même tu recherches. Parce que déjà, pourquoi est-ce qu'on recherche déjà ce modèle de swing-là ? Enfin, tu vois, si c'est juste sur un plan esthétique, parlons d'abord de qu'est-ce que tu veux faire avec la trajectoire, qu'est-ce qu'on essaie de rechercher à l'impact, qui sont les deux éléments qui sont pour moi les deux facteurs les plus importants dans mon enseignement. Dans mon coaching, surtout quand j'ai un élève sous la main, c'est qu'est-ce que tu fais à l'impact, où va la balle et où est-ce que tu voudrais que la balle aille et comment on peut plus optimiser le moment de l'impact, que ce soit avec le driver ou les fers, qui sont deux éléments différents. Et donc du coup, il y a des tests qui ont été créés en ligne par TPI, qui ont en fait démontré après 20-30 ans d'expérience, qui ont fait en fait pas mal de tests sur des golfeurs, des milliers de golfeurs, pour comprendre quand un golfeur il avait une sorte de limitation physique au niveau, on va prendre l'exemple de l'épaule droite ou du coude droit. Alors tu sais, par exemple, un exemple clé, c'est le flying elbow. Tu sais, quand tu vas au sommet du backswing et tu as le coude qui va à l'extérieur. Et puis pendant des années, on coachait, pas toi et moi, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui mettent un ballon entre les coudes. Ils disent swing avec le ballon, ça va t'aider. Si, je te rassure, moi j'en ai mis un paquet comme ça alors qu'il fallait pas. J'en ai mis un paquet, ouais. Mais le ballon entre les bras, tu vas voir, ça va te permettre de raccourcir ton swing, tu vas avoir les coudes bien placés, tu vas avoir le coude qui pointe vers le bas, tu vas voir, ça va être magnifique. Et là, le golfeur, il essaie de le faire, ouais. Et puis en fait, il est en douleur, quoi. Il est pas bien du tout au sommet du backswing. Il dit, j'ai mal, je me sens pas bien, j'arrive pas à frapper, il arrive pas à toucher une balle. Yes. Et là, le mec, il réalise 15 minutes plus tard, il lui dit quoi ? Ben, t'inquiète pas, continue comme ça, ça va arriver, il faut de la répétition. Alors qu'en fait, quand tu lui fais faire un test physique, et que tu comprends en faisant le test, c'est juste un test simple. Alors, il faut se mettre en position de golfeur et tu lui dis juste, voilà, juste essaye maintenant d'effectuer une rotation de l'épaule droite comme ça avec la main, avec le coude qui a 90 degrés. Et juste, je veux que tu amènes
le plus haut possible à main droite. Alors tu vois que moi je suis à la verticale, mais la majorité du temps, quand le golfeur, lui, Dis-moi il a si je le me trompe, coude. Lewis, je te coupe. Oui. Dis-moi si je me trompe. Ça n'a pas une relation directe avec notre capacité à donner de générer de la vitesse, ça, cette souplesse-là ou pas? Ou pas Oui, du bien tout? sûr, elle peut, absolument, oui, elle peut influencer Capacité la capacité à gérer de la vitesse. Mais si physiquement déjà le mec il n'est pas capable, ou le golfeur n'est pas capable de faire ça, il c'est est en pas général ce capable qui se passe, de c'est mettre que le golfeur, comme ça. voilà, le golfeur qui fait ce test-là, il va s'arrêter là. Alors que moi, tu vois, par exemple, moi j'arrive à aller jusqu'à là. Et T'as le plus de golfeur, il va s'arrêter là, donc ça veut dire. Disposition à être comme ça que l'autre. Il peut pas. Il peut, physiquement, il peut pas. Ouais, c'est ça. Physiquement, il n'est pas capable de le faire. Claire. Donc ce mec-là, tu peux lui mettre un ballon autant que tu veux. Mais physiquement, il ne sera pas en capacité de pouvoir arriver dans cette position-là. Alors qu'il a vu dans les magazines qu'il fallait être là, Et il a vu à la télé, il a vu Rory qui était t'es là. d'accord? Et t'es d'accord que notre corps, il nous le dit, on le ressent, hein. Quand on le Bah fait, oui, on le ressent. bah ouais. Et des fois, moi, ça m'est arrivé d'avoir des joueurs qui étaient comme ça, et ils sont passés par 3-4 personnes avant, et ils m'ont dit, oh, je sais qu'il faut que je sois là, Lewis, je sais qu'il faut que je sois là. J'arrive pas. Et là, et j'y arrive pas. Et là, je dis, écoute, on va faire quelques tests. Et puis là, je vois que la personne ne peut pas le faire. Donc je dis, écoute, on va trouver une autre façon de swinguer. On va trouver une façon de swinguer qui est personnalisée par rapport à ta limitation physique. Et en parallèle, si tu le souhaites, on va faire un travail avec des différentes personnes qui sont spécialisées dans des domaines de la préparation physique. Si la personne le souhaite, si la personne a le temps. Et l'argent d'aller voir des médecins, un ostéopathe, ça peut être un kiné, ça peut être un préparateur physique. Moi, j'ai toute une équipe autour de moi que j'appelle quand j'ai un client qui en a besoin ou un élève qui en a besoin. Je dis voilà, c'est soit on peut trouver un système où tu vois où on swing avec cette limitation physique-là pour te permettre de bien jouer au golf. Maintenant, sache que tu parlais de vitesse de club tout à l'heure, donc je donne juste ça comme exemple parce que tu l'as dit. Maintenant, ta vitesse de club, elle va pas pouvoir évoluer dans ce système de swing là, mais tu vas trouver de la régularité dans ta frappe de balle, dans ta trajectoire, etc. Maintenant, si tu veux qu'on aille un step plus haut, si tu veux qu'on franchisse la barre supérieure, il va falloir qu'en parallèle, tu fasses ce petit travail sur le côté, quotidiennement, des travaux de mobilité, de renforcement musculaire. Mais les gens entendent renforcement musculaire, ils pensent que il faut qu'ils passent des heures et des heures à la salle. C'est pas forcément le cas. Il y a des choses que tu peux faire 15, 20 minutes à la maison pour te permettre d'améliorer ces limitations physiques que tu avais, pour te permettre de les éliminer petit à petit. Et ensuite, là, on peut commencer à optimiser encore plus le swing de joueur et avoir plus de distance, une meilleure compression de balle. Enfin voilà, on peut améliorer. Donc l'objectif, c'est de trouver le swing au golfeur qui va lui permettre de maintenant tout de suite progresser en jouant autour de ses limitations physiques. Il y a des joueurs qui l'ont fait. Je pense à Molinari. Tu vois, Molinari, par exemple, c'est un exemple parfait. Molinari, c'est un joueur qui a gagné entre 15 et 20 mètres sur ses drives, d'accord? Et il a gagné 15 à 20 mètres sur ses drives parce qu'il a compris qu'il avait un manque de mobilité au niveau des hanches. Et donc, ce qu'il a commencé à faire dans son backswing, c'est qu'il a commencé légèrement à lever le pied gauche pour lui permettre d'avoir un peu plus de rotation et de souplesse au sommet du backswing parce qu'il n'arrivait pas à garder le bas du corps avec de la résistance et swinguer autour de ses hanches. Il fallait qu'il lève un peu plus le pied gauche. Et en faisant ça, il a créé beaucoup plus de rotation et de fluidité. Et boum, ça lui a donné plus de vitesse, plus de compression de balle. Il a gagné 20 mètres. Et les joueurs ont commencé à. Exemple à suivre par tous les seniors ou les gens qui manquent de souplesse en général, allez-y, Ça foncez. peut. Ça, c'est le genre de Ouais. choses qu'il faut faire. Et donc les joueurs viennent me voir et me disent, allez, oui, il faut que je lève le pied gauche comme il est narré. Je dis, peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend. Enfin, ça Oui, dépend de tes. voilà. Ça Voilà, dépend. Ça. si ton pivot est nickel, non. Mais si tu Voilà, c'est manques de ça. pivot, voilà, exactement. Faire attention. Est-ce que tu vas demander à Rory McIlroy de lever le pied gauche à la montée? Non, pourquoi? Parce Lui, qu'il a une des meilleures mobilités sur déjà le à circuit. 90, voilà. Voilà, donc lui, non. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un modèle de swing qui existe pour tous. Il faut comprendre ce qui nous convient le mieux et il faut aussi comprendre les limitations physiques. Alors ces limitations physiques, elles ne viennent pas de nulle part. TPI, ils ont calculé que sur les 35 dernières victoires en majeur, donc 35 dernières victoires en majeur, il y a plus de 28 qui ont été gagnées par un joueur qui est coaché avec ce modèle de personnalisation-là. Donc ça vient pas de. Ouais, ça C'est vient clair, pas de c'est nulle super part. intéressant, mais tu le sais comme moi, Lewis, on en a déjà parlé ce matin, et tu le sais très très bien, c'est que comment on appelle ça, les problématiques des joueurs professionnels ne sont pas les mêmes que les problématiques des joueurs Oui, amateurs. oui. C'est-à-dire, les joueurs professionnels, eux, cherchent à la performance optimale, c'est-à-dire être le meilleur possible, atteindre leur plein potentiel pour gagner des titres et devenir le meilleur joueur possible. Dans ce schéma-là, il n'y a pas d'autre option que d'utiliser 100%
des moyens pour arriver à 100% de résultats. Et tu vois où je vais arriver, Lewis. C'est que quand on est amateur, on a ni, on va dire, ni les mêmes capacités de départ. Alors, c'est pas parce qu'on est amateur qu'on n'a pas les mêmes capacités de départ qu'un pro. C'est juste que si le mec est arrivé pro, ça veut dire qu'il a déjà tout un tas de skills, quoi, d'aptitudes qui lui permettent qui lui ont permis d'arriver là. Mais tout le monde n'a pas ces aptitudes-là, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas la motivation intrinsèque de tous les jours aller chercher à s'améliorer. Et beaucoup de joueurs jouent pour s'amuser. Donc, dans cette démarche-là, l'optimisation principale, optimale n'est pas ce que vous devez chercher. Vous devez chercher le principe du 20-80, je vous l'ai expliqué la dernière fois. C'est quels sont les éléments, et c'est ça qu'on aborde justement aujourd'hui avec Lewis, c'est quels sont les éléments sur lesquels vous devez plutôt vous concentrer, parce que c'est là-dessus qu'il y aura le plus de levier. Voilà. Et donc, l'esprit, c'est ouais, ça, c'est d'aller chercher plus de levier pour vous, pour avoir, eh bien, 70-80% du résultat, mais en mettant que 20% des choses en place. C'est cool quand même. Alors, il y a une personne qui dit, Hassan Khaldoun, qui dit « Oui, mais Molinari, comme McDonald, aurait mieux fait de rester comme avant. » Alors, il faut savoir, Hassan… C'est pas ça, que... Hassan, on ne sait pas. Non, mais en fait, ce que je tiens à préciser, c'est que Molinari, la saison qu'il a connue l'année dernière, donc la saison, tu sais, où il a fait numéro 1, tour européen, enfin, Ryder Cup de folie, cette fameuse année 2018 où il a performé le mieux… C'était avant ça qu'il avait mis ce travail-là en place du pied gauche. Donc, c'est pas parce que maintenant, il connaît des résultats un peu moins bons qu'il fallait revenir sur ce qu'il faisait il y a 3 ans. Ça. En fait, le travail qu'il a mis en place du pied gauche, du talon gauche qui se levait pour avoir plus de puissance, c'est ça qui lui a permis d'avoir la saison qu'il a connue en 2018. Donc, je tiens à préciser parce qu'il y a des personnes qui pensent que du coup, parce que maintenant, le joueur est un peu moins performant. Il faut savoir que Molinari, quand il a fait la saison qu'il l'a fait, il l'a dit lui-même à la fin de la saison. Il a dit j'aurais du mal à faire mieux que ce que j'ai fait en 2018, parce que je sais pas si tu te rappelles la saison qu'il y a eu, mais c'était une saison jusqu'à la Tiger. Et après, donc, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, c'est que comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Mike Adams, toi aussi, tu as suivi la certification, il explique, il dit il y a des mecs qui se sont perdus. Vous prenez Martin Keimer, le mec, ouais. il rêvait de gagner le Masters. Ce mec, il tapait tout en cut. Il s'est dit, bon, il faut que je joue en draw. Le gars, il était numéro 1 mondial. Il s'est retrouvé au-delà de la 100e place mondiale en voulant passer d'un système qu'il maîtrisait parfait. On en parlait ce matin, de maîtriser une trajectoire qui nous plaît. Et il a voulu construire un jeu pour gagner un tournoi. Ça l'a démonté. Woods, quand il a voulu arrêter de pomper, vous savez, le côté « je m'écrase », ce que fait aussi d'ailleurs… McIlroy et puis l'italien là dont tu parles, il le travaille à mort, ça, Molinari. Ouais. Bon, bref, là, lui, il a voulu l'enlever en se disant ouais, mais ça m'enlève justement un peu de régularité sur les mises en jeu, j'arrose un petit peu, je vais arrêter de pomper. Il est passé de la 6e, 7e place ou 8e place, je crois, au total driving ou je sais plus combien, je sais plus quelle stat autour du driving. Il s'est retrouvé 150e après avoir essayé de. Donc, parfois, mieux est l'ennemi du bien. C'est vrai qu'il faut faire attention, on prend des pistes en voulant s'améliorer et boum. Mais là, une fois de plus, écoutons nos sensations et le résultat, quoi. Et ce qui est sûr, c'est que tu vois, tu as mentionné ces joueurs. Essayer de faire quelque chose parce qu'on pense que c'est bien, tu vois, genre Keimer qui dit moi je veux faire cette trajectoire là parce que tu vois, sans forcément en se disant qu'est-ce qui est mieux pour moi, mais juste en se disant je vais faire ça parce que j'aime bien ça, tu vois, je vais essayer de swinguer comme Rory parce que j'aime bien Rory. Ça peut être la plus grande faute qu'on peut commettre pour un joueur et peut-être le plus gros déclic qu'il peut y avoir pour un autre. Et ce qui est important, c'est comme tu le dis, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi-même et je pense de se rapprocher d'un coach qui est spécialisé d'une forme ou d'une autre dans la personnalisation de swing pour permettre au golfeur de comprendre son système, quel est le meilleur pour lui et de oui pas et d'imposer un système de swing. Oui et non, parce que vous pouvez tomber sur un coach qui n'est pas forcément branché personnalisation, préférence ou TPI comme tu expliques, mais qui a une sensibilité, qui a le même style de coordination que vous. Et là, c'est le top, parce que le gars, il va vous donner ses sensations et c'est les vôtres aussi. Alors, on n'est pas tous exactement pareil, hein, mais attention, mais on va dire 80% de ce qu'il va vous dire, ça va matcher. Donc, c'est le pied quand vous avez un pro comme ça. Mais effectivement… Ouais, mais alors, du coup, Joël, si ce coach-là, il a 10 joueurs devant lui… Ah ben, il va avoir 50% à qui ça va marcher, 50% à qui ça va pas marcher. C'est ça le problème. Ah ouais, et ça, je l'ai connu pendant un moment, mon gars. Puis je me suis gratté la tête. Alors aujourd'hui, j'ai pas 100% de réussite. Hein. Loin de là. Hein. Loin de là. Tous. Pas, voilà. Mais ce que j'ai remarqué à partir du moment où j'ai commencé à prendre en considération les préférences des gens,
et à comprendre et à me former à comprendre comment le corps fonctionne, et ben là je peux te dire que ta capacité à aider les gens elle augmente drastiquement, et le sourire des gens aussi. Donc pour moi c'est voilà, mais c'est la voie que j'ai choisie, dans laquelle je crois. Je cherche à persuader personne d'autre, sauf les joueurs qui nous écoutent, d'écouter leurs sensations. C'est tellement important. On se fait pas assez confiance. On va donner, on va dire, l'autorité à une personne extérieure qui a une lourde responsabilité, qui sommes nous les coachs. Mais faut pas, plus ça va, moi, et plus je questionne la personne, plus je lui demande comment elle se sent, est-ce qu'elle aime pas, etc. Parce que c'est ça la vérité. C'est le joueur qui détient la vérité. C'est pas le coach. Il aide à trouver la voie. Il aide à trouver la vérité. C'est ça. Mais il la détient pas. Yvan qui est là, Tchémenian qui dit « Je suis incapable de réaliser un 90-90 nul sur un pelvic tilt, un lower quarter rotation. » Donc là, on parle des différents tests que font TPI. « Et pourtant, tu manges des maîtres Lewis Wallace. » Il faut savoir que Yvan, ça a été un des plus longs frappeurs en France. Donc c'est pour ça que je connais bien Yvan. C'est quelqu'un de très, très sympathique. Donc je sais que c'est gentil quand il est en train de dire ça. C'est aussi pour préciser que effectivement, il y a plusieurs sources de puissance. Il n'y a pas, tu vois, on parlait de vitesse tout à l'heure sur le coup. On est déjà à 35 minutes, on n'est que sur le premier sujet. c'est vrai. Faut qu'on switch. Mais on va switcher, mais tout ça pour dire qu'il y a je te laisse conclure le sujet là. Ouais, il y a plusieurs sources de puissance, plusieurs sources de ou plusieurs systèmes de swing. Je pense que Joël l'a très très bien dit à la fin. Il faut trouver celui qui nous convient le mieux. Et je pense qu'effectivement, quand on parle du sujet principal de ce live, qui est l'autonomie, permettre au golfeur de devenir autonome, qui est pour moi la meilleure… De gagner en régularité, ouais. Gagner en régularité, mais la régularité, ça passe par l'autonomie sur le parcours. Le golfeur, sur le parcours, il n'a pas son pro de golf, il n'a pas de caddie. Du coup, il doit avoir la capacité de s'écouter. Et ça passe par justement une meilleure compréhension de son système de swing. Voilà, pour clôturer le premier aspect, c'est d'avoir une structure de swing personnalisée par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous êtes capable de faire et par rapport à votre système naturel. C'est ça, comme ça on réfléchit moins, on est moins dans le contrôle et on joue plus de façon intuitive et naturelle, quoi. Voilà. Alors, deuxième aspect de la régularité, Joël. On parle Tu veux que j'enchaîne ou c'est toi qui traite le sujet. Ouais. Donc, je rebondis derrière. Quand on parle de régularité, on parle de qu'est-ce qu'on peut maîtriser de façon régulière. Et donc, moi, je pense à l'entraînement. Et donc, l'entraînement, c'est quelque chose… La raison pour laquelle c'est génial, c'est parce que ça ne vous demande aucune force physique de savoir bien structurer un entraînement efficace. Je dis ça parce que beaucoup de joueurs veulent gagner beaucoup de mètres, ils veulent taper la balle, ils voient les pros à la télé, ils se disent « Ah, je voudrais taper comme tel joueur », mais physiquement… On a tous des limitations physiques et on va tous à un moment avoir une barrière quant à ça. Mais une chose que j'ai remarqué, une différence entre les joueurs professionnels et les joueurs amateurs, c'est dans leur façon où ils investissent leur temps. Moi, j'ai l'occasion, Joël, tu sais, comme tu le sais, d'aller plus d'une dizaine de fois par an sur le Tour européen. Et donc, quand je regarde les meilleurs joueurs au haut niveau et le joueur qui me vient à l'esprit, je pense à lui, c'est Justin Rose parce qu'il était dans le live qu'on a fait il y a deux jours avec Alexander Levy. J'ai eu l'occasion de passer deux heures sur le practice avec Justin Rose au Turkish Airlines Open où j'étais vraiment en mode observation pour voir comment il s'entraînait. Et j'ai vu qu'il a été plus efficace dans son entraînement de deux heures que la majorité des joueurs que j'avais vus ce jour-là qui arrivait le matin, qui revenait l'après-midi, qui se cherchait un peu, etc. Il y avait un vrai questionnement dans la façon où Justin Rose s'organisait pour lui permettre d'obtenir les résultats qu'il désirait. Et il faut savoir qu'il a fait ça le mercredi. Et le jeudi vendredi, il a joué moins 10. Alors, il n'a pas gagné le tournoi, mais quand tu enchaînes moins 10 le jeudi vendredi, on se dit qu'on sait bien, tu vois, enfin, on fait pas mal les choses quand même, et on peut s'en inspirer. Et donc, quand je vois les amateurs de golf sur un practice, on va dire que la routine habituelle, c'est de prendre quelques sauts de balle, on se met sur son tapis, on essaie de mettre en pratique un exercice qu'on a vu sur YouTube, ou un truc du dernier magazine, ou tu vois, un truc qu'on a entendu à la télé, et puis boum, on met deux sauts de balle, et puis on commence à taper une balle après l'autre, souvent avec le même club. On enchaîne quelques fer 7, on enchaîne les clubs qu'on aime bien jouer, d'accord ? Donc le fer 7, en général, les clubs qu'on n'aime pas, qu'on ne joue pas très bien, en général, on les joue moins quand on est au practice. Et ensuite, le joueur enchaîne sur quelques drives et boum, il a fini son entraînement, il est parti. Et la problématique avec ça, c'est qu'en fait, ces joueurs-là, en général, sont les joueurs qui disent « Lewis, j'arrive pas à faire ce que je faisais si bien au practice sur le parcours. »
J'arrive pas à transférer ce que je faisais sur le practice, sur le parcours. J'ai beaucoup de mal sur le parcours. Et ça, c'est parce que votre entraînement n'est pas structuré d'une façon à devenir des bons joueurs de golf, mais plutôt des bons joueurs de swing, des joueurs de practice. Et donc, quand tu vois, j'ai eu l'occasion ces 8 dernières semaines d'échanger durant le confinement avec tous les meilleurs joueurs européens, et sans aucun doute, la règle qui respecte tous, c'est une structuration dans leur entraînement qui leur permet de faire les scores qu'ils font. Donc, du coup, dans une structure d'entraînement, dans une séance d'entraînement, pour moi, il y a trois phases qui sont primordiales. La première, c'est ce qu'on appelle le block practice. Donc, le block practice, c'est quand un joueur va travailler quelque chose de mécanique dans un swing et il essaie de chercher une sorte de répétition pour que ce changement mécanique ou technique devienne régulier, qu'on puisse le répéter systématiquement. Maintenant, ce que je fais dans ce block practice avec mes joueurs, c'est qu'en général, quand on fait quelque chose, je trouve des exercices de feedback. Donc, c'est-à-dire que si je prends un exemple d'un joueur qui cherche à mieux compresser la balle, je vais essayer de trouver un outil pédagogique ou un exercice ou quelque chose qui peut lui permettre de comprendre s'il fait bien l'exercice ou pas. Feedback immédiat. Donc, contrairement à un golfeur amateur qui va essayer de deviner s'il fait les choses bien au practice, il va se mettre au practice tout seul avec ses deux sauts de balle, il va enchaîner les balles, mais il ne va pas vraiment savoir si ce qu'il fait est bien ou pas. D'accord? Donc, très important, avoir du feedback dans cette première partie de l'entraînement, le block practice, avoir du feedback et savoir comprendre quel feedback est nécessaire par rapport aux besoins que vous êtes en train de rechercher. Là, on est branché technique. On est branché technique. Là, on est vraiment, voilà, là, on est vraiment dans la répétition d'un mouvement technique. Et c'est là où on doit baisser notre taux d'exigence. Alors, on n'est pas branché résultat, on est branché. Est-ce que je réalise bien ce que je suis venu travailler? Est-ce que je le fais bien? Voilà. Et donc, du coup, si par exemple, on est là pour travailler le contact de balle, on se focalise sur le contact de balle et pas forcément la balle si elle va à gauche ou à droite ou si on a perdu ou gagné de la distance. Okay? Donc, ça, c'est très, très important parce que La raison pour laquelle on fait ces trois phases, c'est pour qu'on soit 100% engagé dans chacune de ces phases-là. Et en général, ce qui se passe, c'est que les amateurs mélangent les trois phases et se retrouvent à tout bosser et en fait rien bosser du tout. Tu vois, ils se retrouvent à faire tout et n'importe quoi. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Donc du coup, la deuxième partie d'un entraînement efficace, c'est de faire ce que j'appelle du practice variable. Donc c'est là où maintenant on commence à sortir du contexte de la mécanique. Donc, on range, on met de côté l'exercice qu'on vient d'effectuer, les outils pédagogiques qu'on utilise, on les met de côté. Et là, maintenant, on commence à choisir un club pour une cible et chaque balle va être différente. Donc, c'est-à-dire, tu vas viser un coup au pitching wedge au 100 mètres. Ensuite, tu vas faire un coup à 120 mètres avec ton fer neuf. Ensuite, tu vas changer le club et tu vas varier vraiment les différentes cibles. Tu vas changer l'alignement sur le tapis de practice et tu vas essayer de mettre en pratique les sensations que tu as ressenties dans la première partie de l'entraînement. Donc, une fois que tu as fait tes répétitions avec un exercice, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est essaye d'être vraiment à l'écoute de la sensation quand tu fais l'exercice en question dans la première partie. Parce que c'est sur cette sensation-là qu'on va s'appuyer ensuite dans la deuxième partie de la séance, qui est le practice variable. Et donc maintenant, on est en train de varier les balles. Voilà, on n'est pas encore dans l'exigence pure, on n'est pas en train de se dire wow, ma balle est partie trop à droite, etc. On est dans la sensation. On n'est plus maintenant dans la mécanique, on est plutôt dans la sensation et puis on essaie de reproduire les sensations qu'on a trouvées dans la zone numéro 1. Maintenant, quand on arrive dans la dernière et troisième zone d'entraînement, troisième phase d'entraînement, c'est là où c'est primordial. C'est maintenant on rentre dans l'étape performance. Et donc dans l'étape performance, ce qu'on recherche, c'est 5 balles. Moi, j'aime bien faire 5 balles maximum parce qu'au-delà, ça commence à devenir trop répétitif. Donc, ce que j'aime faire, c'est des séries de 5 balles pour que la personne soit vraiment engagée comme si on était sur un parcours de golf. Ouais. Et donc, je vais dire à ce joueur-là, voilà, écoute, tu vas faire 5 drives. Voilà ton fairway. Je veux que tu me comptes sur les 5 drives, combien tu en as mis sur la piste. D'accord? On va rester vraiment très simple et très, voilà, très simple pour l'explication parce que du coup, après, je fais des exercices beaucoup plus poussés. Mais pour rester simple, 5 drives, combien tu en mets sur la piste. Et si tu loupes, à quel endroit est-ce que tu loupes? Est-ce que tu loupes à droite ou est-ce que tu loupes à gauche? Et est-ce que tu loupes de façon régulière? D'accord? Donc, si par exemple le joueur vient me voir après le test et me dit, écoute, sur les 5 balles, j'en ai mis 2 sur la piste et 3 à gauche. Là, je me dis, ok, sur le parcours, on va pouvoir s'appuyer sur une stratégie hyper efficace parce que le joueur, soit il trouve le fairway ou soit il loupe à gauche. Parfait. La pire chose qui peut arriver, c'est quand un joueur, il tape fairway et ensuite, il me dit, j'en ai mis 2 à gauche, 2 à droite. Et là, tu te dis, ok, il faut qu'on revienne sur peut-être dans la zone numéro 1, tu vois, pour trouver une mécanique qui lui permet d'effectuer les mêmes trajectoires. Même s'il doit louper quelque part, il faut qu'il loupe du même côté. Ouais. Parce que la pire chose que tu peux faire, c'est de louper de deux côtés. Parce que même s'il loupe d'un côté,
Après, ce que, comme tu le sais, Joël, les meilleurs joueurs au monde, même quand ils vont sur un parcours et ils loupent d'un côté, ils savent comment stratégiquement s'organiser par rapport à là où ils loupent. Donc, du coup, on est à la recherche de ça dans l'exercice performance. On veut comprendre comment le joueur il arrive à être performant sur ces 5 balles qu'on a identifiées. Et sur la performance, quel est le pourcentage de réussite sur le fairway et le pourcentage de non-réussite, où sont les balles loupées? Comme ça, on arrive du vrai feedback sur le parcours. Ou quand on est sur le trou numéro 1, par exemple, d'un parcours et que tu vois qu'il y a de l'eau à gauche et que le mec il loupe à gauche, bah, peut-être que du coup, et que le mec le joueur, pardon, il est stressé sur le départ numéro 1, bah, tu m'étonnes, il est stressé parce qu'il sait très bien que s'il loupe, il va aller à gauche. Donc peut-être que, et donc du coup, tout ça nous amène à mieux s'entraîner parce qu'on peut mieux anticiper et préparer tout ce qui va se passer sur le parcours. Donc ça, encore une fois, je vous dévoile, hein, ces trois clés de l'entraînement. Ça vous demande aucune force physique, ça vous demande aucune intelligence incroyable pour essayer de mettre ça en pratique. C'est simplement comprendre qu'est-ce qu'on fait dans la zone numéro 1, qu'est-ce qu'on fait dans la zone numéro 2 et qu'est-ce qu'on fait dans la zone numéro 3. Et ça, c'est vraiment, s'il y a une chose sur laquelle on peut s'inspirer des meilleurs joueurs du monde, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'un joueur de golf professionnel, lui, il a peut-être entre, bah lui, c'est son métier, donc lui, il a entre 6 à 8 heures par jour à s'entraîner. S'entraîner, on inclut le parcours de golf et l'entraînement et la préparation physique, etc. Un joueur amateur, peut-être que lui, il a 1 à 2 heures pour dédier à l'entraînement, sans parler du parcours, par semaine. Donc du coup, puisque vous avez beaucoup moins de temps, c'est d'autant plus important d'investir votre temps correctement. Il ne faut pas se dire, bah, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps sous la main, donc du coup, bah, puisque j'ai pas le temps, je vais pas mettre ça en pratique. C'est d'autant plus important. Ça sera beaucoup plus efficace de faire de l'investissement qualitatif dans votre temps, dans votre investissement de temps, que de simplement arriver et dire, j'ai pas le temps, donc je vais taper des balles vite fait et je vais repartir. Chaque entraînement doit avoir un objectif bien précis avec un résultat qu'on recherche. N'allez pas simplement en practice en vous disant je veux changer ça dans mon swing. Il faut qu'il y ait un résultat derrière l'entraînement. Chaque entraînement, et nous on en parle tous les deux, Joël, parce que tu m'aides sur beaucoup de choses, tu me coaches sur pas mal de choses sur mon business en ligne. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on a une séance, c'est quel est le résultat que tu veux? Et ça, c'est quelque chose que moi je pratique avec mes élèves depuis plus de 15 ans maintenant. Et c'est vraiment ça qui est important à comprendre. Et ensuite, par rapport à ce résultat, tu organises tes trois phases d'entraînement par rapport à ça. Voilà. Voilà Donc, pour mon intervention, Joël. merci Louis. Donc, c'est très important ce que tu viens de dire là parce que je partage bien évidemment ces trois phases, elles sont essentielles. Et donc, pour pas paraphraser, pour pas repartir sur le même sujet et continuer sur ce thème de l'entraînement qui est fondamental si on veut arriver à notre objectif, c'est justement comment, toi tu as expliqué comment les gens devaient construire et devaient construire leur séance d'entraînement avec ces trois phases. Et moi, j'aimerais du coup intervenir un tout petit peu en amont, c'est-à-dire comment vous allez prioriser, c'est-à-dire sur quoi vous allez bosser en gros. Comment vous allez définir sur quoi vous allez bosser. Pour ça, je vous partager deux choses, un concept et une technique. Ces deux choses-là, je ne les ai jamais enseignées de façon, on va dire sur YouTube, etc. Je les ai enseignées que dans mes programmes de formation. Ce premier concept, c'est le principe du saut percé. Tout le monde, chaque être humain est un saut percé. C'est-à-dire, il y avait une expression qui avait été donnée par l'ancien DTN, Grandou, tu te souviens? Grandou. Désolé, j'ai pas connu. Non, non. Je dis pas, tu vois. Et il avait un truc qui m'avait marqué parce que j'étais entraîneur de ligue et donc il y en avait des réunions d'entraîneurs. Il disait, les gars, enfin, il disait pas les gars, lui. Il disait, messieurs, un athlète de haut niveau, enfin, une chaîne, cassera toujours par son maillon le plus faible. Une chaîne cassera toujours par son maillon le plus faible. Et ça m'avait marqué, mais depuis j'ai appris une autre image, une autre analogie. Et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'adore faire des analogies. C'est celle du saut percé. Le saut, il symbolise quoi? Notre potentiel. On a un potentiel qui est souvent bien plus grand que ce qu'on peut imaginer déjà. Ça, c'est une parenthèse. Et vous remplissez ce seau, il se remplit. Et ça, plus vous remplissez, plus vous avez de résultats en relation avec votre potentiel. Et il arrive à un moment où il y a un trou dans ce seau. Et donc, vous pouvez remplir tout ce que vous voulez en énergie, en temps, en moyens, en investissement, en achetant des nouveaux clubs, en prenant des cours, en machin de truc. Mais tant que le trou est dans le seau, là, vous pouvez mettre toute l'eau que vous voulez. Ça se barre, votre potentiel, les résultats n'arrivent pas, vous restez sur un palier, vous restez bloqué. Et comment on fait? Donc ça, c'est le premier concept à piger, c'est que
votre une chaîne va toujours casser par le maillon le plus faible et le seau il se videra quoi que tu fasses. Une fois que tu as pigé ça, il faut vite que tu identifies le maillon le plus faible et que tu le renforces ou que tu colmates le trou parce que sinon tu vas pédaler dans le vide. Donc, comment on fait pour identifier ça? Il y a plein de moyens, mais le moyen le plus simple, tu le connais aussi parfaitement, Lewis, puisque on l'a appris au même endroit, c'est avec Pierre Nilsson et Lynn Marriott, on est tous les deux fans de Vision 54, c'est la technique BMC. Cette technique BMC, elle va vous permettre de progresser, je vous le garantis, dans la durée. Si vous n'avez pas un crayon ou un papier, c'est le moment d'aller en chercher un. L'esprit, c'est que vous allez vous poser trois questions. Et on en a largement parlé la dernière fois, Lewis, sur la puissance des questions. Vous allez vous poser trois questions à chaque fois que vous allez finir votre partie. La première question dans la technique BMC, c'est bien. Pourquoi bien? Qu'est-ce qui était bien? Parce que on a comme réflexe, quand on arrive au clubhouse, alors t'as bien joué, oh putain, j'ai fait une soquette, j'ai fait 4 fois 3 putts, j'ai mis 2 hors limite. Et qu'est-ce qu'on raconte? On raconte ce qui nous est arrivé de pire, parce qu'on est encore frustré dessus, on a bloqué dessus. Eh bien, vous allez changer votre habitude et vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui était bien? Ah, ben tiens, je me suis bien accroché, par exemple. Ouais, j'ai pris 2 doubles dans la tronche et ben, je me suis accroché, je suis passé 4 à l'aller, quoi. Donc, c'était bien. Et ensuite, deuxième question, qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Elle dit, ben, mes potes, tiens, je prends 4 fois 3 potes, je suis à moins de 10 mètres à chaque fois, machin. Donc, hop, vous notez, qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Pas qu'est-ce qui était nul ou machin. On reste dans le positif. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Et enfin, la question dont je vous avais parlé la dernière fois. Comment je peux faire en sorte d'améliorer ça? Partons sur les putts que j'ai ratés. Là, j'étais à 8, 9, 10 mètres. Comment je peux améliorer? Est-ce que c'était ma routine qui n'était pas bonne? Je les ai joués un petit peu par-dessus la jambe. Je ne suis même pas allé lire le truc. C'était en décembre. J'ai pas fait gaffe. Je me suis fait avoir. Est-ce que c'est une faute de centrage? Ça veut dire qu'à partir d'une certaine distance, je touche mal ma balle, du coup j'arrive plus à doser. Est-ce que c'est au contraire des putts courts que j'ai ratés? Bref, vous allez commencer à analyser et à partir de là, qu'est-ce qui va se dessiner? Justement, ce que vous allez pouvoir travailler votre prochaine séance d'entraînement en suivant les recommandations de Lewis. Voilà. Donc voilà pour compléter. On a bien traité cette notion de l'entraînement, je pense. Bon, il y a plein de choses à dire, on pourrait en parler des heures, mais avec ça, vous êtes parés, les amis, normalement. Oui, et puis juste pour aller pour faire un message un peu plus complémentaire là-dessus, c'est top ce que tu viens de dire, le feedback après chaque partie, c'est indispensable de savoir comment analyser sa partie. Ça peut littéralement déterminer le joueur que vous allez devenir. Parce que si vous ne savez pas bien analyser votre partie, vous allez travailler sur les mauvaises choses et votre temps de progression va être 10 fois plus lente. D'accord? Yes. C'est la capacité de pouvoir se poser les bonnes questions. Moi, je crois sincèrement que les bonnes réponses viennent à travers les bonnes questions. Ah, mais ça fait le jour et la nuit. Et donc, du coup, à la fin d'une partie, non seulement faites l'exercice que vient indiquer Joël, qui est très bon, mais essayez aussi, en plus de ça, si on parle du putt du 17, comme vient de le dire Joël, voilà, le putt là que j'ai loupé à 1m50, essayez de creuser pour déterminer est-ce que ça fait partie des 4 éléments suivants. Est-ce que c'était une problématique mentale, stratégie de jeu, physique ou technique? Ça serait la question après le comment. Hop, et là voilà. Il vous aide à identifier justement où est-ce qu'il faut aller chercher. Domaine, il faut chercher parce que yes. Tous les joueurs amateurs, et là j'ai fait un quiz mercredi quand j'ai parlé justement, j'ai fait un live spécial mental mercredi matin. Ouais. J'ai demandé aux joueurs, quand vous êtes sur un parcours de golf et que vous loupez un coup, quelle case est-ce que vous cochez quand vous loupez un coup? Et 100%, allez, je vais dire 95%, parce qu'il y a une personne qui m'a répondu le mental, mais 95% ont répondu technique, tu vois. C'est-à-dire que quand ils loupent un coup ou quand le coup n'est pas à la hauteur de leurs exigences, ils se retournent systématiquement vers une problématique technique. Or, quand tu parles, et encore une fois, moi, j'ai pas envie de faire la référence des meilleurs joueurs européens, mais parce qu'ils ont une bonne technique, donc évidemment, voilà, c'est difficile à comparer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le questionnement d'un joueur qui progresse beaucoup plus vite, la chronologie doit être différente. Est-ce que physiquement, je me suis senti bien? Est-ce que c'était la bonne stratégie? Est-ce que mentalement, j'étais bien? Et la dernière, ça doit être techniquement, qu'est-ce que je dois bosser? Parce que ça en revient à ce que j'ai sur l'entraînement. Si le mec, le joueur vient me voir, il me dit, Lewis, sur 5 balles, sur l'exercice de performance, j'en ai mis 2 sur la piste et 3 à gauche,
et qu'il arrive sur le départ numéro 1 et qu'il en a mis une à, et qu'il en a mis une à droite, hors limite, tu vois, et qu'il me dit, ouais, j'en ai mis une à droite, hors limite, il faut qu'on bosse la technique. Là, je lui dis, bah écoute, non, parce que tu vois, quand on travaille sur le practice, on voit que tu mets tes balles à gauche quand tu loupes. Donc, quand tu es sous pression, peut-être qu'il y a un élément qui arrive mental, qu'il faut qu'on bosse dans la routine pour te permettre d'arriver et de faire les trajectoires que tu fais quand tu es au practice. Donc, ça sert à rien qu'on retourne une heure au practice pour aller bosser quelque chose qu'en fait, on doit aller travailler sur le parcours. Tu sais, j'ai fait une partie de golf au mois d'août avec mon père, juste après qu'on avait joué ensemble, toi et moi. Et j'ai joué en mois d'août. Soir, ouais, on avait joué au mois d'août et j'avais. Sur un trou de golf, j'avais mis ma balle hors limite à gauche, tu vois. Et alors j'étais moins 3 ou moins 4 à ce moment-là. Et je fais un triple bogey sur ce trou-là. Et à la fin de la partie, mon père il m'a dit, écoute, demain matin, toi et moi, on va aller bosser à 8h du matin. Allez, on va aller au golf. Donc, boum, je sors mon sac le lendemain matin. 8h, on prend la voiture. On est tous les deux. On arrive au golf. Je mets le club sur la voiturette. Et à cette maxime, c'est soit tu vas à gauche au practice, soit tu vas à droite sur le parcours. La raison pour laquelle il voulait aller au golf à 8h. C'est parce que moi je vais à gauche vers le practice, il me dit où tu vas. Alors je dis bah, je vais au practice, on a dit qu'on allait s'entraîner. Il dit non, non, on va sur le parcours. On va, avant que tout le monde attaque le parcours, toi et moi, on va aller sur le trou où tu as loupé hier et on va comprendre et on va se mettre sur le départ et on va comprendre la trajectoire que tu dois faire et ce que tu dois faire pour mettre la balle au milieu à chaque fois. Et donc j'ai passé une heure sur le parcours, sur le retour, à effectuer plusieurs shots et puis on se mettait dans un endroit, on posait 2-3 balles, on tapait 2-3 balles, il me dit ok, là, essaie de faire ça maintenant. Et donc, c'est la différence entre comprendre, tu vois, que. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, l'entraînement, on va se focaliser sur la technique ou. Non, c'était pas la technique, c'était une erreur stratégique de jeu. Parce que dans mon cas, c'était une erreur stratégique parce que j'ai loupé à gauche toute la journée. Donc, je vais pas essayer de corriger ma trajectoire dans la journée, sur le parcours. Je vais tout simplement changer ma stratégie. Et c'est ça qui allait pas. C'était pas ma technique parce que je savais que je loupais à gauche. Donc, je devais retourner sur ce trou-là et travailler ma stratégie de jeu, chose que j'ai améliorée. Et dans un deuxième temps, avec mon coach, j'essaie d'améliorer ma frappe de balle pour que ma balle perde moins à gauche quand je suis sous pression. Voilà, donc comment analyser sa partie? Je vous garantis que si vous arrivez à faire ça, les éléments que je viens d'indiquer à travers l'exercice de feedback avec le plan d'entraînement que je vous ai donné, vous allez avoir 100 pas d'avance sur tous les autres golfeurs qui sont en train de s'entraîner aux practices actuelles. Qu'est-ce que vous allez être régulier? Bon, en tout cas, l'entraînement, ça va vous aider. Alors, Lewis, ouais, dis-moi. On va passer au sujet suivant. Ou peut-être on pourrait répondre à des questions parce que les gens ils nous écoutent depuis tout à l'heure, mais ils ont peut-être des questions. Nous, on blablate, mais ils ont peut-être envie de nous demander des trucs. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Et d'ailleurs, je hurle, j'ai besoin de hurler. Comme ça, non, ça va. Non, on t'entend très très bien. Et puis, il y a pas mal de personnes qui adorent l'analogie du saut percé. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui disent génial. Génial le saut percé. Faut pas avoir un trop gros trou, quoi. Sinon, ça craint. Une personne qui dit ou changer de saut. Ouais, voilà. Non, et non, le saut, on peut pas le changer, putain. Mais il est bien, c'est pas le saut le problème, c'est le trou. Alors justement, il y a une personne qui dit la routine, tu vois. Donc c'est marrant, tu vois. C'était un élément, c'était la troisième clé. Ouais. Voilà, c'était la troisième clé qu'on allait évoquer toi et moi, Joël. Et encore une fois, il y en a plusieurs des éléments. Il y a Joël qui a créé les 7 clés de la régularité au golf. On mettra un lien dans la zone de commentaires pour ceux que ça intéresse, on mettra un lien à la fin du live. Et donc aujourd'hui, le but, c'est puisqu'on est sur un temps limité, tu vois, là, ça fait déjà 50 minutes qu'on est en live, on a parlé de deux choses. On est passionnés tous les deux, donc c'était foutu d'avance. Et donc du coup, ce matin, on vous avoue qu'avec Joël, on avait 6 à 7 clés. Ouais, c'est et ça. On s'est dit, écoute, on est tous les deux passionnés, je pense qu'on devrait partir sur 3 sujets. Et là, pour le coup, on part sur 3 sujets qu'on pourra pouvoir rentrer un peu plus en profondeur. En sachant qu'évidemment, il y en a un peu plus que ça. Donc, la troisième clé, une des clés de la régularité. Il n'y a pas de question particulière, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va demander maintenant, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont écoutés et qui ont en fait complimenté les commentaires qu'on a pu faire en disant très gentil, bravo, les amis, merci beaucoup. Posez des questions, on est là pour vous aider. Voilà. On est là pour vous aider, donc posez vos questions. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, vous encourager parce que vous êtes plus de 200 à être connectés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une question aujourd'hui sur votre jeu qui vous empêche d'être régulier… Sur le thème, hein. Et sur le thème, c'est hein. Ça que je dis. Moi, je slice, machin, sur le thème. Ouais, donc si vous avez un domaine sur la régularité que vous souhaitez qu'on évoque, n'hésitez pas à poser la question dans la zone de commentaires. Et là, il y a Nico Singuet qui pose la question suivante. Singuet, pardon, ouais, Singuet. Ouais. Qui dit comment…
Ça doit être un élève à toi? Ça doit être, bah, ça va être une question piège, il est moins 3, Nico, il adore poser des questions pièges, vas-y. Alors il dit, alors c'est marrant parce que j'ai posé la même question à Alexander Lovy il y a 2 jours, et il dit, comment fais-tu personnellement après un très mauvais coup? Alors ça va rentrer un peu dans le thème qu'on allait aborder tous les deux. Eh ben écoute, prépare ton crayon, Nico, parce que toi, ça m'intéresse beaucoup aussi, alors t'en fais pas beaucoup. T'en fais moins que moi des mauvais coups, mais ça m'intéresserait aussi de savoir comment tu fais. Alors, je vais te donner ma technique, mon Nico, et les autres, prenez aussi un crayon. Il faut savoir une chose, c'est que je suis quelqu'un de perfectionniste comment dire, je supporte pas de mal taper, d'accord? Je ne supporte pas ça. Donc, ça m'a vachement pénalisé jusqu'au jour où j'ai découvert une technique. Je crois que c'est Bob Rotella, il me semble. J'ai tellement lu de bouquins sur le mental parce que c'était pas mon point fort, je vous avoue. Et j'avais du mal à accepter les mauvais coups. Donc, j'ai trouvé une technique qui est géniale. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à péter les plombs quand vous jouez mal, c'est génial. Je vais vous expliquer. Le principe, c'est que, il faut éviter de relier des émotions fortes à un fait qui vient de se passer. Par exemple, vous arrivez sur un trou, vous mettez 2 cerceaux, vous mettez 2 ball-out, d'accord? Donc, il y a deux façons de réagir. Soit vous êtes ultra frustré, ultra énervé contre vous-même, machin truc, et vous allez mettre, et vous allez encore faire d'autres mauvais coups, etc. Soit vous arrivez, vous parvenez, et ça c'est un travail, mais c'est possible, j'y arrive maintenant, à faire en sorte d'imaginer que ces 2 balles qui partent comme ça hors limite, c'est pas vous qui les avez jouées, mais c'est votre partenaire. C'est-à-dire qu'il faut ne plus être en mode, comment dire, je subis émotionnellement ce qui vient de se produire, parce que ça s'ancre en nous, ça. Je vais pas rentrer dans le détail, mais vous testerez la prochaine fois. Quand vous faites un mauvais coup, vous imaginez que c'est votre partenaire ou une autre personne qui a tapé et vous regardez la balle de façon factuelle. Ah ben non, c'est Pia Nilsson et Lynn Marriott. C'est d'elle que j'ai appris ça. Vous regardez les choses de façon factuelle. C'est-à-dire, ma balle est hors limite. Je vais en jouer une autre. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma balle, ce coup-ci, soit sur le fairway? Je la remets hors limite. OK, et l'esprit, c'est que vous devez rester le plus détaché possible émotionnellement. Je dis pas que c'est facile, mais si on s'y concentre, ça marche. Et je l'ai fait plein de fois. Alors je mets pas deux fois limite d'affilée trop souvent. Heureusement, j'en mets une de temps en temps. Mais l'esprit, c'est ça, c'est se décharger émotionnellement de ce qui vient de se passer. Voilà ce que je fais, mon Nico. Et toi, si tu peux le marquer dans les commentaires, ça m'intéresse parce que j'adore apprendre. Il faut savoir une chose, c'est que on a beau être coach de golf, on apprend énormément, énormément de nos élèves, énormément. Ouais, ben c'est surtout par rapport à. Enfin, tu vois, moi, il n'y a pas un cours qui passe ou un stage ou un commentaire en ligne où, tu vois, à chaque fois, je remets pas. C'est pas que j'en mets en question, mais je suis en train d'essayer de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ce scénario que je n'avais pas encore vu avant? Et ça revient à l'élément du feedback. Si à la fin de la partie, à chaque fois, tu es dans la bonne analyse, et bien, au fur et à mesure, tu vas voir qu'il n'y a pas 1000 problématiques qui arrivent sur un parcours de golf, tu vois. Ouais. Et donc, tu as la capacité de regrouper les éléments dans des certaines familles. Ouais. Comme Joël et moi dans le coaching, on retrouve voilà, les mêmes éléments, les mêmes erreurs. Et donc, du coup, bah, au bout d'un moment, quand tu sais bien analyser la chose, tu fais un regroupement. Et là, tu sais que, ah bah tiens, à ce moment-là, j'ai proposé telle solution, ça a bien marché. On va voir si là, ça peut marcher. Ah, ça n'a pas marché, c'est pas grave, j'en ai une autre. Enfin, tu vois, tu es constamment en train de construire une bibliothèque de solutions pour des joueurs qui ont des problématiques. Et ouais, effectivement, en fait, je pense que pour revenir sur ça, le mauvais coup. C'est difficile. C'est difficile de rester factuel parce que déjà il faut savoir que les golfeurs, je pense que j'ai connu pas mal de sports différents et les golfeurs font partie des êtres humains les plus passionnés par leur sport. Enfin, tu vois, enfin, j'ai des amis qui vont faire leur foot le jeudi soir à 18h, tu vois, mais enfin voilà, ils en parlent pas toute la journée ou tous les jours à leurs potes, etc. Ils sont, tu vois, c'est plutôt une forme de fitness. Mais les golfeurs, quand je rencontre un golfeur et que je leur dis que je suis coach, je pense que c'est pareil pour toi, Joël. C'est « Ah, il faut que je te raconte ma dernière partie, là. Il faut que je te raconte, tu vois. » Donc, les golfeurs sont des gens, sont des êtres humains qui sont très, très passionnés. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont connectées à nos lives pendant le confinement parce qu'ils veulent progresser et apprendre. Donc, les golfeurs attachent beaucoup d'émotions à leur performance. Beaucoup d'émotions à leur performance. Le fait de bien jouer ou mal jouer, ils attachent beaucoup d'émotions. Et donc, la difficulté, c'est d'attacher beaucoup plus d'émotions à une expérience positive sur le parcours de golf, qui est chose qui n'est pas simple pour les joueurs français parce que, contrairement à d'autres pays,
je te parle par expérience, les Français sont beaucoup plus réservés, on va dire. C'est-à-dire que un joueur français, bon là, je pense à Alexander Levy qui est justement qui se rapproche un peu plus du joueur qui, quand il va faire un bon coup de golf, on le sait. Tu vois, quand Alex il fait un bon coup de golf, tout le monde est au courant. Il a levé le bras, tu vois, il a montré à tout le monde, il a Ouais, fait il un est petit cri, extraverti. il a le smile qui arrive jusqu'aux oreilles. On le voit quand il est heureux, quand il a effectué un bon coup de golf. Un peu à la Tiger, tu sais, quand il fait son fist bump. Tiger, pour moi, aujourd'hui, sous pression, c'est le meilleur joueur de tous les temps sous pression. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, Tiger a une interprétation de la pression qui est différente que beaucoup de joueurs. Lui, quand il a 16-17 ans, c'est quoi que tu préfères au golf? Et il dit, il a le sourire qui montre aux lèvres, j'adore quand il y a la pression. Donc c'est un joueur qui, en fait, joue mieux quand il y a la pression qui est là. Donc il a attaché beaucoup d'émotions positives à cette notion que quand il est sous pression, lui, c'est là où ça va mieux. La raison que je le prends comme exemple, c'est que des joueurs de golf, quand ils sont sous pression et qu'ils jouent, et donc du coup ils effectuent un mauvais coup, ils vont faire l'inverse. Ils vont mettre beaucoup d'attaches émotionnelles à ce moment où ils ont mal performé sous pression. Et donc du coup, la prochaine fois qu'ils vont se retrouver dans une situation similaire, ils vont penser à ça. Tout cette, tu parlais de Vision 54, eux ils appellent ça la memory box, donc la boîte à souvenirs en quelque sorte. C'est que votre cerveau va se rappeler de la dernière fois que vous avez vécu une situation similaire. C'est humain, c'est la nature humaine, le cerveau va revenir sur ce qu'il a connu auparavant. Maintenant, Yes. Ouais. moins vous allez attacher de l'émotion à ce coup qui n'était pas à la hauteur de votre exigence, moins votre cerveau il va avoir la capacité d'aller essayer de chercher l'ancien souvenir. Ben, il va pas le retenir, c'est-à-dire Il que va pas le. le retenir, ou il va avoir du mal à le retenir, parce que le cerveau, quand il arrive dans un moment, il va toujours essayer de chercher qu'est-ce qui a été similaire à ça. Le cerveau est tout le temps dans la comparaison. Qu'est-ce que j'ai vécu de similaire? Et C'est donc du ça. coup, quand il a pas de, quand il a pas de quand il a point, et quand il a pas d'attache à sur ce qui s'est passé dans le passé, bah du coup, c'est une expérience nouvelle que vous êtes en train de vivre. Donc tu vois, donc du coup, quand tu es face à une situation que tu as vécue avant, Est-ce que je peux le dire juste à ma vas-y, façon? vas-y, ouais, vas-y, complètement. Parce que c'est super important l'esprit, si vous voulez, c'est que le cerveau, pour une question de survie, va retenir 3 fois plus les événements qui sont liés à une émotion négative, donc liée à la peur, au stress, etc., qu'une émotion positive. Donc concrètement, parce que toujours avec des exemples concrets, Instinct de survie, très important, voilà. donc c'est Voilà. naturel, c'est notre naturel humain. Ouais. Donc dans le golf concrètement, comment ça se met en place? C'est comme ça qu'on chope des crises de putting, des crises de socket, des crises de bunker où ça sort plus. Voilà ce qui se passe quand ça nous arrive. Et ça nous est tous arrivé. L'esprit, c'est que vous arrivez, vous avez un putt de 30 cm, ok? Vous arrivez, vous le terminez, virgule. Là, vous chopez une paire de boules monumentales, vous êtes furieux contre vous-même, etc. Vous ancrez cette image négative. La fois d'après, vous vous retrouvez sur un putt de 30 ou 40 cm et là, vous flippez, grave. Là, vous dites, putain, faut pas que je le rate celui-là. Et là, si jamais vous le ratez, vous venez d'ancrer 6 fois, vous venez de rater 2 putts, d'accord? Mais vous avez ancré 6 fois, on va dire, le truc. Ça veut dire que pour éliminer ce souvenir-là, il va falloir 6 fois des émotions positives, c'est-à-dire une situation avec les mêmes émotions positives pour arriver à l'éliminer. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire célébrer 6 fois des putts de 30 cm en faisant des Tiger Pump. Comme ça, des putts de 30 cm, ridicule. Et ben, c'est la vérité. Et c'est pour ça que je vous disais, et c'est ce que tu étais en train d'illustrer, toi, Lewis, c'est ça, c'est que c'est super important d'essayer d'enlever ce côté émotionnel et frustration et machin pour une simple et bonne raison, c'est que vous l'ancrez dans votre mémoire. Et dès que vous allez vous retrouver dans une situation comme ça, vous allez avoir le réflexe de survie. Et donc, vous allez rechoper le côté panique. Sur un putt court, panique sur une approche parce que vous avez peur de faire une socket ou panique dans un bunker parce que vous dites putain, je vais mettre 5 coups pour sortir. Alors, un exercice physiologique que vous pouvez faire pour éliminer un bon coup sur l'aspect psychologique aussi, parce que tout passe par l'aspect physiologique. C'est difficile d'être dans un état négatif si physiologiquement vous êtes dans un état positif. D'accord? On reconnaît souvent les joueurs qui sont en train de bien et mal jouer sur un parcours par leur façon de marcher, par la façon de se comporter sur un terrain de golf. Le Pardon? body language, hein, Louis? The body language, exactement en anglais. Et donc, moi, j'adore ça, je me suis beaucoup spécialisé là-dessus parce que je trouve que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui peut influencer ou qu'est-ce qui peut changer la dynamique d'une partie quand effectivement vous avez effectué un mauvais trou ou un mauvais coup. Et physiologiquement, il y a des choses que vous faites qui vont en fait complètement changer ce qui se passe dans la façon interne. Donc un exemple,
Si vous avez effectué un mauvais coup, alors pas tout de suite, mais si vous voyez que 5 minutes après, vous avez toujours du mal à évacuer le mauvais coup d'avant, une chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement lever les bras pendant 1 à 2 minutes, d'accord? Et juste en levant les bras, en fait, ça va tout de suite vous donner une sensation. Vous allez voir que ça va être très difficile. Après, quand vous allez baisser les bras, tout de suite, vous allez vous tenir un peu plus grand, d'accord? Et vous allez encourager votre corps, en fait, à être physiologiquement dans une dynamique beaucoup plus positive. Pourquoi je dis ça? Le golfeur qui est général dans un état négatif et qui a effectué un mauvais coup, qu'est-ce qui va se passer? Les épaules vont descendre, le dos commence à être arrondi, la tête elle est baissée, d'accord? Donc un exercice simple, on lève les bras au-dessus de la tête, très important, et ça c'est des choses qui sont tirées de la science, hein. C'est pas moi qui est en train d'inventer quelque chose, c'est vraiment c'est la science qui a prouvé que quand vous le faites pendant 2 minutes, c'est important de le faire pendant 2 minutes, vous allez voir que tout de suite votre état petit à petit va commencer à changer. Quand vous allez baisser les bras, vous allez voir que tout de suite, vous allez sentir que l'émotion a presque évacué un peu le corps. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès que vous êtes sur une partie. Alors peut-être que vos camarades, ils vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'est pas grave, parce que vous, vous focalisez sur les éléments que vous pouvez contrôler. C'est vous. Vous pouvez contrôler votre physiologie. Vous pouvez contrôler la façon où vous marchez, la façon où vous respirez. Vous pouvez contrôler votre routine de jeu, c'est les éléments qu'on a évoqués. On a parlé du après, mais on peut parler du avant et du pendant. Donc ça, c'est les éléments que vous pouvez maîtriser. Les éléments que vous pouvez maîtriser sont la clé de la régularité. Ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Mais ça, habituellement, on en parle essentiellement, vraiment, quand on est dans la performance, sur des joueurs qui sont orientés compétition, etc. Et pourtant, ça a un impact, comme tu disais, qui est juste énorme, la manière dont on se tient, le fait d'être souriant ou le fait de faire la gueule. C'est con, mais imaginez si vous êtes concentré, vous êtes quelqu'un de concentré qui voulait bien vous appliquer, vous allez avoir une attitude fermée, comme ça, machin truc, mais qu'est-ce que ça va dégager comme émotion? Testez peut-être, surtout si ça ne marche pas, testez de voir ce qui se passe, si vous êtes souriant, si vous êtes ouvert, si vous marchez droit, en sautillant, si vous sifflez. Si, ça, testez en fait différentes attitudes parce qu'au final, les choses ne marchent pas que différentes dans. d'une personne à l'autre, bien sûr. Bien sûr, Ça tu marche pas sais. que dans le sens. C'est-à-dire que, on va dire, ce qui t'arrive peut générer un comportement, enfin une émotion ou ouais, un comportement. Par exemple, vous prenez triple, vous êtes dégoûté. Ou alors, vous êtes dégoûté et vous prenez triple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le fait d'être comme ça, de faire comme si vous jouiez bien, ça peut et ça va avoir un impact sur les prochains coups. C'est une évidence. C'est ça qui est important à À comprendre, tester. Tester. c'est que puisque le mauvais coup, tu parles du passé, donc c'est un passé négatif, c'est un passé que tu peux plus changer. Mais par contre, Yes. la chose que tu peux influencer, c'est ce qui va se passer dans le prochain coup. Et il faut savoir que si tu continues dans ta spirale du passé négatif, tu vas rester là-bas et ça va influencer un futur négatif. Donc, Yes. la seule chose que tu peux faire, c'est d'influencer un futur positif. Et donc, tu le fais à travers la conception et la compréhension qu'il y a des choses que tu peux faire pour te remettre tout de suite dans le bon chemin. C'est un peu ça qu'on est en train de dire, c'est éliminer le mauvais coup et tout de suite te rebondir dans le bon chemin. J'adore ce que tu dis, Joël, sur la compréhension que tout le monde fonctionne différemment. Donc, pendant longtemps, on a entendu. Il faut absolument pas s'entraîner avec de la musique. La musique, c'est pas bien parce que sur le golf, y a pas d'écouteurs, etc. Les golfeurs, ils n'ont pas le droit de mettre des écouteurs, etc. Machin. Bon. Pour un introverti, c'est parfait. Pauline Roussin-Bouchard, qui est numéro un mondial Elle fait ça. actuellement, quand elle est sur le parcours, elle m'a confié à travers le Facebook Live qu'on a effectué il y a quelques semaines, elle m'a dit, tu sais, Lewis, entre les coups, moi, je chantonne. Je chante. Voilà, tu vois. Alors, des fois, je chante fort, des fois, je chante plus bas, mais. Je suis toujours en train de chanter sur le parcours et quand je m'entraîne avec de la musique. Bon. Alors, elle, si elle allait voir un spécialiste qui lui dit, écoute, Pauline, à partir de maintenant, tu t'entraînes plus avec la musique et t'arrêtes de chanter tes conneries sur le parcours parce que c'est pas ça que font les meilleurs au monde, peut-être qu'elle serait même pas là où elle est aujourd'hui. Tu vois? Donc, c'est important de comprendre. On en revient à son fonctionnement, hein, Joël. À chaque fois, on en revient à ça, ce qu'on a dit dans la première partie. C'est de comprendre, pas seulement au niveau de la technique. Mais Oh. également dans la préparation sur le parcours, de comprendre son fonctionnement et qu'est-ce qui doit nous permettre de retrouver un état de performance. Tu vois, on parlait de l'entraînement. Moi, mes meilleures séances d'entraînement, c'était sur le parcours. Pourtant, j'adore, Dieu sait si j'adore faire du practice, me filmer, corriger mon swing, j'aime bien.
Mais ce qui m'a à chaque fois bien joué la veille d'un Grand Prix, etc., c'est parce que j'ai réussi à me régler parfois, comme je dis, la veille, l'après-midi sur le parcours, en jouant plusieurs drives, plusieurs chips, plusieurs machins. J'ai trouvé une sensation qui a bien marché et boum. Et donc, il y a certains joueurs qui préfèrent s'entraîner sur le parcours, des mecs comme Di Marco, des mecs comme Montgomery, des mecs comme Victor Dubuisson, on le connaît le plus. C'est des joueurs qui, a priori, préfèrent. Ils trouvent plus leur compte en allant sur le parcours pour s'entraîner. Et donc, il faut trouver ce qui marche pour vous au final, et que ce soit pour votre entraînement, pour votre technique, pour votre préparation. Comme tu disais, il y a des gens qui sont introvertis, d'autres extravertis. Quand on dit, ouais, faut être concentré dans sa bulle, il y a des gens, ils ont besoin. Moi, j'ai besoin de parler. Si tu me mets tout seul dans un coin, machin, truc, moi, j'aime bien, comment ça va alors, machin. J'aime bien discuter avec les gens, et ça m'empêche pas de me concentrer sur ce que j'ai à faire. C'est ma façon à moi de me concentrer, quoi. Alors, on a parlé du après Joël, et donc le après, ça fait partie d'une des clés de la régularité, qui est la routine. On parle de la routine de Joël. Alors, je crois qu'il n'y a pas un amateur qui joue au golf aujourd'hui qui n'a pas entendu une fois le mot routine. Voilà, donc beaucoup de personnes ont entendu le mot routine. On associe routine à chiant. Je ne sais pas toi, mais moi j'associe à chiant. Alors que ça peut être, personnalisé, ça peut être bien aussi. Si c'est personnalisé, ça peut être fun. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des statistiques sur le circuit qui ont démontré que les personnes qui ont une routine régulière, c'est-à-dire qu'ils arrivent à respecter le temps et les actions qu'il y a dans cette routine, ont en fait deux fois plus de chances de passer le cut. Donc, t'imagines, il y a des statistiques qui ont sorti, qui sont concrètes. C'est à part d'une étude anglaise qui a suivi plus de 20 000 coups de golf sur le circuit européen. Ouais. Et qui a démontré qu'un joueur avait 50% plus de chances de passer le cut quand il respectait sa routine. Et yes. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre déjà dans la routine, parce que ça c'est l'erreur que j'avais faite il y a longtemps, c'est que la routine peut être différente de la mise en jeu à l'attaque de green et l'attaque de green au putting. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une routine qui est bonne au driving qu'elle va être, très très bonne au putting. C'est très différent de comprendre qu'il y a plusieurs familles de routines. Mais par contre, quand vous avez trouvé la bonne routine pour le driving, c'est important de respecter cette routine-là. Et ce qu'ils ont démontré sur le circuit européen, et encore une fois, et c'est là où j'adore notre live, c'est parce qu'il y a des confirmations par les chiffres, où ils indiquent qu'il y a plusieurs, les joueurs ont multiples façons d'effectuer leur routine. Il y a des joueurs qui prennent 6 secondes, il y en a d'autres qui prennent 10 secondes, il y a vraiment plusieurs secondes. Mais ils ont remarqué quand même de base, les joueurs qui avaient le plus de succès, c'est ceux qui prenaient le moins de temps et c'est ceux qui avaient une tendance à regarder deux fois la cible et qui faisaient deux coups d'essai. Donc ils ne savent pas pourquoi, mais ils disent que le chiffre 2, c'était une sorte de train de base et c'est là où ils ont remarqué que sur les 20 000 coups, la majorité du temps, ceux qui étaient les plus performants restaient autour de 2. Maintenant, ils précisent aussi que ce n'est pas parce qu'un joueur regarde trois fois ou une fois la cible, qu'ils sont moins performants, tu vois. Mais voilà, il y a quelques... Je parle du chiffre 2 parce que c'est important de tester les choses quand vous êtes sur le parcours. C'est intéressant, voilà. Ça donne une piste pour tester, mais dis-moi si tu es d'accord avec moi, quand tu regardes les tennisman, tu vois, au service, tous les mecs, il y en a, il faut rebondir 20 fois la balle, d'autres deux fois, il y en a, ils sont penchés, d'autres, ils sont droits, enfin bref. Au foot pour un penalty, au rugby, tu sais, pour une pénalité, au basket pour les lancers francs. Toi qui es un excellent joueur de basket, t'es d'accord que les mecs sur les lancers francs, il y en a pas un qui fait la même chose. Il y en a un qui va faire tourner le ballon comme ça, il y en a un qui va faire rebondir en regardant le ballon, l'autre qui va faire rebondir en regardant le Et d'ailleurs, le cercle. Quand je faisais mes lancers francs à l'époque, je n'avais aucune notion de cet aspect routine quand j'avais entre 14 et 18 ans. Tu le faisais. Et quand je le faisais pas. Enfin, non, en fait, c'est pas que je le faisais pas, c'est qu'en fait, il n'y avait pas un moment où je le faisais pas, en fait. C'est-à-dire que je le faisais systématiquement. Quand j'étais au lancer franc, c'était ballon dans les mains par l'arbitre, je faisais spinner la balle, deux rebonds, je fléchissais et boum, et j'y allais. Et cette routine-là, c'était tout le temps la même. Et j'étais, voilà. Et donc, je pense. Voilà, et donc, ma conviction, mais après, je te relaisse la parole, mais c'est parce que ça me vient en parlant. Je pense que plutôt que. D'aller chercher, enfin, c'est toujours bon d'avoir des exemples et des solutions et d'aller tester, mais il faut toujours, et ça c'est ma conviction, aller chercher sur ce qui est naturel. Toi, t'as jamais appris à faire ta routine au basket, c'est venu naturellement. Il faut choisir quelque chose qui est facile à faire pour nous de façon régulière, c'est-à-dire que c'est notre petit rituel à nous qui nous met en confiance exactement comme avant de servir, comme avant de faire un lancer franc ou tirer un penalty au foot, quoi. Il faut l'envisager, je pense, surtout au niveau amateur, de cette façon-là.
l'objectif ultime, Lewis, t'es d'accord ou pas, tu vas me dire juste après, c'est d'être prêt physiquement, mentalement et émotionnellement. Ça aussi, c'est Pierre Nielsen et Lynn Marriott qui disaient, c'est ça l'objectif d'une routine. Donc après, à toi de trouver les étapes dont t'as besoin. Alors après, on en connaît, et je pense que t'allais rebondir là-dessus, mais, et que t'allais parler là-dessus, mais il y a des étapes qui sont incontournables. Si tu connais pas la distance que tu dois faire, si tu prends pas en compte le vent, alors que ta balle, elle fait 45 grammes, t'es mal barré, tu vois. Donc voilà, l'esprit. C'est clair. Et tu vois, il y a Jean Briac-Châtel qui dit « La mise en action est rapide, pas la routine. » Alors oui, quand je parlais de secondes, 6-8 secondes, c'est la mise en action. Parce qu'il y a trois phases d'une routine. Il y a le avant, pendant et après. Le pendant, quand je parlais de secondes, c'était justement je me référais en fait à la mise en action. Et la routine comporte effectivement le avant où là, évidemment, quand on va choisir le club, regarder le vent, comme a dit Joël, regarder la distance, toutes ces questions-là qui vont ensuite nous permettre de prendre la meilleure décision possible. Et la meilleure décision possible, elle est faite pour qu'on puisse être le plus engagé possible. Parce qu'une autre statistique a montré sur le circuit aussi, et ça, c'est en interviewant cette entreprise dont je te parlais, qui a interviewé une vingtaine de joueurs du circuit en les suivant pendant un an. Et il y a eu une vraie démarche des joueurs qui ont dit à chaque fois que je sentais que je n'étais pas engagé à 100% dans le coup, les résultats n'étaient pas autant au rendez-vous que lorsque je suis 100% engagé. Et l'engagement, il vient de où ? Par une meilleure décision. Plus tu peux prendre une meilleure décision, plus tu peux être engagé. Dis-moi ce que tu en penses pour la grande majorité des amateurs, je pense, qui nous écoutent. Une fois de plus, si on écoute notre corps, nos sensations, notre ressenti, est-ce qu'au moment de jouer, on ne sait pas déjà qu'on va faire une merde ? On le sait, on est devant la bande, celle-là, je ne sais pas. Eh bien, si ça vous arrive… Celle-là, je ne la sens pas. Ouais. Celle-là, je ne la sens pas. Tu te dis là, putain, la maison derrière le green, là, j'ai 60 mètres à faire, là, la maison derrière le green, là, ou alors tu as le drive, tu te dis, putain, là, le lac à droite, là… Et des fois, tu sens le putt et tu es là, voilà. Tu dis, je ne sais pas pourquoi, je savais qu'elle allait rentrer, je le sentais. Ouais. Donc, écoutons-nous, on est tous sauf débiles, les mecs. Ça veut dire que quand tu es au-dessus de ta balle et tu dis, oh putain, celle-là, je ne la sens pas, et que ça t'arrive plusieurs fois par partie, ça veut dire, ça, c'est un voyant qui s'allume, qui dit, hey grand, travaille ta routine, parce que là, tu n'es pas prêt au moment de jouer. Donc, Et le fait d'aller, et ça revient à l'exercice de feedback que tu donnais dans la phase numéro 2 de ce live, où on parlait des clés d'un bon entraînement et d'un bon feedback après une partie. Si le mec il n'est pas bien devant la balle 3-4 fois dans une partie et qu'il va travailler la technique pendant 3 heures, tu vois, tu peux retourner au parcours le lendemain et tu vas dire je comprends pas, j'ai passé 3 heures au practice rien, mais en fait tu n'as pas travaillé les bonnes choses. Raconte l'histoire de la meuf là qui arrive et qui est à moins 19 et elle est excellente celle-là, raconte-la. Tu sais c'est Vision 54, c'est un major. Alors c'était un major sur la LPGA où en fait une joueuse arrive sur le trou numéro 17 ou 18 et en fait elle est en tête, elle est à moins 19 et là elle arrive sur le fairway, elle a un coup de bois 5. Et là, boum, elle fait top. Elle fait un gros top, la balle va dans l'eau. Et là, analyse de swing à la télé. Boum, le swing de la joueuse en question arrive à la télé. Et là, le consultant technique commence à faire « Ah ouais, mais c'est parce que techniquement, elle a fait ci, elle a fait ça, c'est pour ça qu'elle a fait un top, elle est passée complètement à côté sur ce point-là, technique. » Et donc… En fait, ce n'est pas la joueuse qui est passée à côté de la plaque, c'est le consultant qui est passé à côté de la plaque sur ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'en fait, nous, la seule chose que nous, on voit quand on regarde le golf à la télé, c'est le swing de golf. Nous, on voit juste l'aspect mécanique et technique du swing. Donc, c'est très facile pour un consultant d'aller faire une analyse de swing parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'il voit. Mais la réalité, c'est qu'on n'était pas à la place de la joueuse à ce moment-là et donc on ne sait pas comment elle s'est sentie physiquement. On ne sait pas comment elle s'est sentie mentalement et on ne sait pas comment elle s'est sentie émotionnellement. Peut-être que sous pression sur le trou numéro 18, elle était là et puis elle s'est dit « Waouh, je suis un peu dépassé par les événements ». Et donc du coup, après que sa partie est terminée, heureusement qu'elle était coachée par les deux coachs de Vision 54, Pia et Lynn Marriott. Et les deux coachs et la nana, elle voulait retourner au practice. Et les deux coachs lui ont dit « Non, ça ne sert à rien qu'on retourne au practice, aller bosser pendant 2 heures ». Quand tu es sur le LPGA et que tu es à moins 19 après 71 trous, tu sais jouer un bois 5. Quoi. Et tu sais, c'est marrant, mais même Mike Lorenzo Vera, quand il a joué la finale à la race de Dubaï,
Il a confié dans une interview récemment, là, il y a quelques semaines, je crois. On lui a demandé à quoi tu as pensé sur ton dernier coup, je crois que c'était sur le fairway du trou numéro 18, où il avait une attaque de green, tu vois, avec tout le monde. Et je crois qu'à ce moment-là, il était top 5, tu vois. Et on lui a dit, tu pensais à quoi? Et il me dit, je pensais à pas toper la balle. Et en fait, il a dit soit à pas toper la balle ou soit pas la mettre dans l'eau. Genre, il y avait l'eau qui était 10 mètres devant lui. Il a dit, je pensais à pas toper la balle dans l'eau. Tu vois, enfin, donc à ce moment-là, est-ce que le joueur, il va bosser Alors, heureusement, il a fait un super coup de golf. Il a mis une flèche plein de drapeaux, tu vois, donc il a réussi à bien gérer ses émotions. Mais à ce moment-là, le joueur, quand il a l'intelligence de comprendre à la fin de la partie que à ce moment-là, dans la partie, il pensait à ça. Quand il est bien entouré comme les Mike, bah là pour le coup, il a la capacité derrière de travailler sur les bonnes choses parce que justement il a fait une bonne analyse. Mais on le vit tous et c'est pour ça que et c'est là où justement c'est sa routine qui l'a sauvé parce que tu regardes pareil, j'ai la même anecdote avec Mathieu que tu connais, Mathieu de Cotigny-Laffont. Oui, bien sûr, ouais. Il y a 3-4 ans de ça, il a fait un super Open de France. Il était leader de l'Open de France, Mathieu, génial. Et il se retrouve, je crois que c'est au troisième tour, il se retrouve, je crois qu'il met dans l'eau au 15 ou quelque chose comme ça, il se retrouve au 18, il a un fer 9 et il racontait, je crois que c'était en conférence de presse, machin, il disait, ben, je voyais que l'eau, quoi. Le troisième coup du 18, le deuxième coup du 18, je sais plus. Je ne voyais que de l'eau, quoi. Et le green, il me paraissait comme ça, quoi. Et il l'a mise aussi sur le green, de mémoire, je crois. Mais bref, dans ces cas-là, c'est pas une question de niveau. C'est-à-dire que ton fer 7, tu es capable de le mettre à 1,50 m ou ton fer 9. Sauf qu'à ce moment-là, dans ces conditions-là, ça te paraît juste impossible. Et si tu n'as pas une routine, justement, solide, c'est pour ça que les pros, c'est essentiel. Parce que eux, quand ils arrivent dans ces conditions-là, mais nous aussi, à notre niveau, et les amateurs aussi, à leur niveau, que tu as beau être 18 ou 22 ou machin, tu ressens la même chose. Il y a un truc que tu sais faire par moment. Là, tu étais dans cet instant-là et dans ce contexte-là, tu sais plus. Donc là, si t'as pas une bonne routine, bah, tu fais n'importe quoi et tu perds beaucoup de points. Ça, c'est sûr. Ouais, ce qui est intéressant dans les exemples qu'on est en train de donner, c'est de montrer que ça arrive à tout niveau. Tu Bien vois, sûr. c'est souvent on a cette image du joueur pro où c'est un super héros, tu vois, il a jamais. Et en fait, c'est la clé dans tout ça, c'est de comprendre qu'on est tous humains et les émotions, c'est humain. Et donc du coup, c'est là où on a voulu faire cette thématique aujourd'hui dans le live, c'est de comprendre comment être plus régulier à travers une meilleure analyse et une meilleure prise de conscience de vous-même. Tu vois, c'est ça le but. Et la routine, c'est quelque chose qui est évidemment indispensable. Alors évidemment, on n'a pas le temps dans ce live pour vous dévoiler toutes les clés d'une bonne routine, mais. Écoutez ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes prêt au moment de jouer ou est-ce que vous êtes en plein doute, en pleine confusion? Comme je vous dis, si vous n'y arrivez pas, analysez qu'est-ce qui d'habitude, qui, qu'est-ce que, ah, pardon, dans un autre contexte, qu'est-ce qui vous permet d'être ultra confiant? Rappelez-vous les parties où vous étiez ultra confiant. Servez-vous, appuyez-vous là-dessus. Ah, comment je pensais? Qu'est-ce que je faisais? Est-ce que ma routine était longue? Est-ce que c'était courte? Est-ce que je calculais beaucoup de choses ou est-ce que je le faisais au feeling? Essayez de vous appuyer sur ce qui a marché pour vous parce qu'au final, c'est vous votre meilleur coach et c'est vous qui savez le mieux ce qui va marcher. Mais il faut juste vous faire confiance et écouter un peu plus et aller dans la mémoire de ce que vous avez vécu et vous allez trouver plein plein de choses, plein de choses. Alors là, il y a des commentaires. Il y a Olivier Dubois qui dit la meilleure routine, c'est celle qui vous convient. Ça, c'est une bonne remarque. Il y a une question qui est très bonne aussi. Je vais rebondir sur cette question. Pourquoi faire des swings d'essai au tennis? On ne fait pas le geste à vide au service. Alors, pour le coup d'essai, il y a Moi, j'ai une beaucoup de théorie là-dessus. personnes, beaucoup de personnes se trompent sur à quoi sert un coup d'essai. Beaucoup de personnes ont l'impression que le coup d'essai doit ressembler le même coup que vous allez effectuer devant la balle. Et moi, je suis tout à fait contre ça. Et moi, je dis tout le temps que le coup d'essai doit servir à reproduire la sensation que vous cherchez quand vous êtes devant la balle. Donc, quand vous voyez par exemple un Alex Noren quand il fait des coups d'essai, il est en train de faire son truc où il a l'épaule droite qui est en train de baisser, il y a le club qui va complètement à gauche. Et les joueurs amateurs m'ont dit, mais Lewis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement dingue ce mec. Et en fait, Alex a tout à fait l'intelligence de savoir qu'il ne va pas en aucun cas effectuer ce swing-là quand il est devant la balle, mais Rechercher la pleine sensation. il est à la recherche de la sensation qui est souvent exagérée. Parce que la différence entre la sensation et la réalité sont deux choses qui sont complètement différentes. Yes. Et donc du coup, les joueurs comprennent ça,
et donc vont souvent exagérer une sensation dans le coup d'essai, dans la routine, dans la pre-shot routine, donc dans la zone de décision où le joueur a décidé quel club il allait jouer. Et ensuite, quand il a pris le choix du bon club, c'est ensuite qu'il va effectuer quelques coups d'essai. Quand il va effectuer ses coups d'essai, maintenant, il passe au moment où il a pris la décision et il est dans le transfert entre la décision et l'action. Et juste avant de rentrer dans l'action, il est dans la recherche de sensations pour reproduire cette sensation-là dans le moment où il est dans la zone d'action, qui est le moment où il va jouer son coup de golf. Donc, le coup d'essai, pour moi, il sera ça. Je te rejoins sur les joueurs professionnels ou les joueurs de première série qui ont on va dire une sensation fine, etc. Et pour les amateurs, moi je le ramène à pourquoi au tennis on fait pas effectivement de mouvements à vide ou au foot on fait pas un geste à vide ou au basket on fait pas un truc à vide. Pour moi, parce que le levier est constant, c'est-à-dire que quand tu joues au tennis, ta raquette c'est toujours la même, elle a toujours la même longueur. Quand tu joues au foot, ta jambe elle a toujours la même longueur. Et quand tu joues au basket, ton bras il a toujours la même longueur. Au golf, tu utilises 14 clubs différents, ce qui veut dire que on a beau dire que le swing est le même, tu fais pas la même chose quand tu tapes un drive, quand tu tapes un sand. Le club, t'es pas la même distance et t'as pas du tout le même levier. Donc pour les joueurs amateurs en général, je les encourage souvent à faire une fois, deux fois un glissé. Alors pas sur le départ pour pas tout arracher, etc. Mais sur vos coups sur le fairway. Et de toute façon au départ on utilise à peu près toujours le même club plus ou moins. Mais servez-vous du coup d'essai pour faire glisser votre club. Ça, c'est pour moi, c'est le point de repère que je donne très souvent. Et plus votre index est haut, plus vous êtes au-dessus des 30, 40 d'index, plus vous devez vous focaliser là-dessus sur le fait de faire glisser à chaque coup d'essai votre club. Ce qui fait que ça vous met en confiance, ça vous donne la bonne sensation. Et vous restez à la limite focus là-dessus quand vous jouez. C'est déjà un point de départ. Et ça peut l'être même pour un joueur qui a un chiffre, qui est complètement en panique. Le simple fait de se dire, allez, par exemple, moi ça m'arrive je joue autour de zéro. Donc ça m'arrive parfois sur un chip un peu compliqué, etc., de me concentrer sur la qualité du glissé de mon club ou sur la manière dont mon club va passer. Et il n'y a aucun problème avec ça si vous trouvez une clé qui vous donne confiance sur laquelle vous pouvez vous appuyer au final. Donc Bien pour moi, sûr, le ouais, coup c'est ça. d'essai, ça à construire ça. Ouais, et puis les sensations peuvent changer d'un coup à l'autre. C'est pour ça qu'on parlait de routines différentes sur le driving et le petit jeu. Moi, par exemple, sur le driving, je fais deux coups d'essai où je suis à la recherche d'une sensation précise dans mon swing. Et quand je joue au petit jeu, je suis plutôt à la recherche du contact, tu vois, dans mon coup d'essai. Dans mon coup d'essai, quand j'ai décidé de comment j'allais jouer le coup, c'est très important pour moi de faire toujours deux coups d'essai où le contact, à chaque fois, je me dis, ok, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et si j'en fais un sur les deux qui ne correspond pas, peut-être que des fois, j'en refais un troisième. Et ce n'est pas grave, tu vois. Ouais, Je suis en train de me dire, c'est pas grave, parce que je ne suis pas dans la zone d'action encore, je suis dans la prise de décision. Donc du coup, c'est vraiment la zone d'action qui va être régulière, systématique, donc le même temps de seconde, le même Ouais, parce regard que au trou, etc. si tu restes justement te dire, moi je fais deux coups d'essai d'habitude dans ma routine, mais que t'as pas touché le Les sol, deux coups, ils sont mauvais. tu vas vouloir Bah ouais. inconsciemment te dire, putain, je vais la toper, il faut que j'aille chercher un peu plus en dessous. Et là, tu fais une gratte. Ouais. Du coup, t'es pas prêt, t'es pas prêt, quoi. Alors, commentaire de la part de Fabrice Masson qui dit, vous êtes magnifiques tous les deux, j'enseigne le golf depuis plus de 35 ans et vous m'avez appris plein de choses. Ah, C'est la merci. meilleure émission que j'ai suivie pendant ce confinement. Félicitations. Donc merci Fabrice, merci, c'est super gentil, merci beaucoup pour ce message très très sympa. Et de toute façon, tu le sais, c'est comment son prénom? Fabrice. Fabrice, tu le sais, de toute façon, même, ça a beau faire 35 ans, dans 15 ans, tu apprendras encore des trucs et nous aussi, donc c'est normal. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Je regarde Joël, c'est quoi Joël? Je vais essayer de lire quelques questions et je vais essayer d'en sélectionner une ou deux juste avant qu'on termine ce live. Ça Ouais. fait 1h24, ça fait 1h25, 1h25 qu'on est en live tous les Ah, deux. mais je le savais, je m'en doutais. Je le savais, je le Je savais. savais, tu vois, c'est comme la routine, je savais que j'allais la toper celle-là. On n'a pas topé ce live quand même. Voilà. Marion qui dit merci à vous deux, c'est vraiment super. Alors, je vais essayer de voir s'il y a des questions en même temps. Si Joël, tu veux évoquer un. Attends, est-ce que justement, j'ai l'air de rechercher une sensation? Alors, Jean Briac-Châtel qui dit, est-ce que justement l'erreur est de rechercher une sensation qui peut être trompeuse dans le coup d'essai? Donc, Ah non, pas forcément. Lewis l'a expliqué. C'est-à-dire que l'erreur, c'est de t'éloigner de quelque chose qui te donne confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. L'objectif de la routine, c'est de te sentir prêt. Donc, si, quand tu. Quand tu quand, quand, comme tu donnais comme exemple, pas Stenson, comment tu Oui, donnais. Noël. Noren, mais tu regardes comme Padraig Harrington, tu regardes comme il s'appelle Jiménez, etc. Eux aussi font des swings un peu bizarres sur les coups d'essai.
eh ben, ils recherchent cette sensation parce qu'ils savent que cette sensation, quand ils l'ont, ils tapent bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher leur club ou leur whisky du soir. Ils vont chercher le truc qui leur fait du bien, quoi, avant. Ah bah tiens. Et là, en fait, voilà, Jean Briac, là, il va un peu contre ce qu'on est en train de dire. Et bon, bah, c'est son point de vue. Il est en train de dire que pas forcément dans un coup d'essai, il y a des joueurs qui recherchent la mauvaise sensation. Alors moi, personnellement, ça fait plus de 15 ans que je joue au golf. Moi, j'ai jamais utilisé, jamais conseillé. Et moi-même, dans mon jeu, ça fait plus de 30 ans que je joue au golf. J'ai jamais effectué un coup d'essai en me disant je vais effectuer la sensation opposée pour essayer ensuite devant le coup d'effectuer la bonne sensation. Enfin, je pense qu'il veut dire. Ça paraît compliqué. Et oui, c'est ce que tu crois pas qu'il veut dire, qu'il cherche une sensation qui est pas forcément, qui est différente, qui est, ah, comment dire, mais je vois ce qu'il veut dire. C'est aller chercher une sensation qui est pas forcément confortable, mais qui t'emmène quand même juste. Tu vois, je sais pas, par exemple, le mec. Non, c'est pas comme ça. Tu vois, parce que quand il parle d'Alex Noren, il dit qu'Alex Noren, il fait ce mouvement-là. En fait, qui est l'opposé de ce qu'il recherche. Dans ce cas-là, non. Voilà, on n'est pas sûr. Mais non. Encore une fois, enfin, tu vois, voilà, si ça marche pour toi, moi personnellement, voilà. J'ai jamais connu ça encore dans mon enseignement. Aller chercher l'opposé, non. Non, moi, je vais toujours vers la sensation qu'on recherche à travers le coup. Voilà, ça c'est voilà. Pour moi, mais bon, si ça marche pour toi, c'est l'opposé. Voilà, nous on dit. Quand je veux perdre du poids, je bouffe pas des pizzas tous les soirs. Tu vois, je vais pas chercher l'opposé, quoi. Et pourtant, ça marche pour certaines personnes. Donc, ça marche pour lui, peut-être. Bah, peut-être pas tous les soirs, mais bon, il y en a qui ont des organismes, tu vois, où ils arrivent à brûler plus que d'autres. Alors, vraiment des très très bons, tu vois, des personnes qui disent merci beaucoup à vous deux. Alors voilà, c'est comment appréhender au mieux la reprise et retrouver ses sensations. Ça, c'est pas mal ça, comme question. Comment appréhender au mieux la reprise et retrouver ses sensations au plus vite. Bonne question. Ouais. Et ben c'est l'entraînement, hein. Il y a pas de secret. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu décides que tu veux retrouver tes sensations, il faut déjà vous préparer. C'est-à-dire que vous pointez pas le 11 ou le 12 ou le 13 quand vous allez pouvoir jouer en espérant super bien jouer alors que vous avez rien fait pendant 2 mois. Donc préparez-vous. Si vous avez rien fait jusqu'à présent, c'est le moment de vous y mettre. Hein. C'est le moment de vous y mettre, à faire des swings dans le jardin, si vous n'avez pas de jardin, à faire des swings à vide à la maison en prenant les clubs à moitié distance pour pas péter tout ce qu'il y a autour. Mais c'est de vous rebrancher à vos sensations, à vos automatismes, etc. Mais alors, il y a aussi le phénomène qu'on connaît, Lewis, c'est des fois quand tu n'as pas joué depuis longtemps, tu sors une partie de malade parce que tu es tellement dans l'envie et dans le plaisir que ça marche, quoi. Tu vois, ça peut être ça. Mais moi, je vous dis, la probabilité, si vous n'avez rien fait pendant 2 mois, que vous jouiez bien, elle est faible. Mais donc, comment faire pour retrouver? Ben, prenez-vous-y avant. Faites des coups d'essai, faites des swings à vide, faites des putts à la maison, faites des petites approches avec une balle de ping-pong, avec un machin, pour retrouver un petit peu votre feeling. Et toi, tu dirais quoi, Louis? Ouais, moi, je suis complètement en phase parce que j'ai eu l'occasion d'avoir Dylan Fritelli qui a gagné sur le PGA Tour, tu vois, il y a un an, et qui m'a dit, écoute, moi, ça me fait du bien quand je fais un temps d'arrêt, quand je fais pas de golf, et que du coup, quand je retourne au golf, je joue mieux, mais... On parle d'un joueur qui a tapé des millions de balles et qui a déjà une base solide, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc moi je pars du principe que durant ce confinement, on peut justement apprendre des bonnes choses à travers un meilleur entraînement chez soi qu'on faisait pas forcément. On n'avait pas forcément les bonnes habitudes quand on allait s'entraîner au parcours ou sur le golf, au practice. Et là pour le coup, le fait de s'entraîner de chez soi, ça nous permet de devenir plus créatif, de faire des choses qu'on ne faisait jamais avant, qui pourra nous permettre d'avoir des résultats différents. Tu sais, la définition de la folie, c'est de faire la même chose en pensant qu'on va avoir des résultats différents. Bah là, pour le coup, j'espère que beaucoup d'entre vous ont profité de ce confinement pour faire des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de faire avant et peut-être que vous allez être surpris. Donc, j'en reviens à Alex Lévy parce qu'on a fait un live il y a 2 jours et c'est celui qui me vient à l'esprit parce que c'est celui qui est le plus frais dans mon état d'esprit. Mais Alex m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, Lewis, j'ai hâte de retrouver les parcours parce que je fais des choses depuis 2 mois que je n'avais jamais fait dans ma vie. Et il me dit, je fais de la prépa physique comme je n'avais jamais fait avant. Je lis des bouquins que je n'avais jamais lus avant. Donc, je me suis amélioré au niveau de mon état d'esprit, mon mental et ma physique, ma prépa physique. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir quel type de résultat parce que quand je vois que j'ai gagné 5 fois sur le circuit, en faisant pas les choses que je fais depuis 2 mois,
je me dis que waouh, ça sera intéressant de voir ce dont je suis capable quand je vais retrouver les fairways au retour. Et donc voilà, s'il y a une chose qui est revenue très fréquemment chez les joueurs que j'ai pu avoir en live, c'est que même durant le confinement, ils ont considéré ce confinement comme une sorte de période hivernale où ils sont partis améliorer des choses qu'ils n'avaient pas l'occasion ou pas le temps de faire avant. Donc ils se sont tous sans aucun. Même Dylan Fritelli qui l'a dit en ce moment, je joue pas au golf, machin et tout, mais lui, il s'est axé sur la prépa mentale et le prépa physique. Donc tu vois, donc quoi qu'il arrive, il y a des axes de développement que ces joueurs-là ont fait pour que quand ils retournent sur le parcours, qu'ils aient non seulement l'impression de ne pas avoir perdu du temps par rapport aux autres, mais qu'ils reviennent en se disant, je suis encore mieux qu'avant. Je Ouais. suis un meilleur joueur qu'avant. Et en même temps, alors, je sais pas si c'est mon côté qui aime faire l'avocat du diable, etc. Et en même temps, je me dis, quand tu as un mec comme Alexander Lévy qui gagne 5 fois sur le tour, ça veut dire qu'il a déjà mis en place des choses qui ont fait leur preuve. Et alors, moi, je suis pas du tout son coach, mais forcément que dans son équipe, les mecs doivent se dire, bon, ben, déjà, on a validé des choses qui fonctionnent pour toi et autant les identifier et autant mettre encore plus l'accent dessus parce que ça fonctionne. Parce que quand tu gagnes une fois, ça peut être un coup de cul, tu vois, t'es sur une bonne semaine, tu mets des putts de partout, tu rentres deux chips et les deux drives que t'as lâchés, ils ont tapé dans les bois, ils sont revenus plein milieu, ok. Mais quand tu gagnes cinq fois, et c'est plus du bol, quoi. Donc c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent. Donc voilà. Donc il faut Ouais, je toujours pense aller que chercher la j'allais performance parce qu'il faut toujours garder. évoluer. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est garder ce qui marche et évoluer. Voilà. Parce que dans ce cas-là, on pourrait prendre le Bien cas aussi identifier de ce qui taille. marche, parce que le piège, on dit souvent qu'on apprend plus de ses erreurs que de ses succès, c'est parce que ça nous fait tellement chier d'avoir raté un truc qu'on se dit mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, comment? Et quand on gagne, on savoure et on célèbre. C'est une bonne chose, mais on peut ne pas apprendre que de ses erreurs, on peut aussi apprendre de ses succès, et surtout quand on en a plusieurs, ça veut dire qu'on tient un truc pas mal normalement, tu vois. En fait, je pense que la quête, et ça, c'est toi et moi, tu vois, c'est pour ça que je pense on a tout de suite une connexion immédiate, c'est quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a tout de suite parlé tous les deux des éléments sur lesquels on a travaillé auparavant et sur les éléments qu'on voulait continuer à améliorer. C'est-à-dire que nous deux, on est coach, et beaucoup d'amateurs pensent que des coachs n'ont pas de coach. Mais en fait, tu vois, c'est au contraire, tu vois, on est tout le temps dans une dynamique d'amélioration, amélioration, amélioration. Et les joueurs, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut constamment, même si on est au pic de son niveau comme Tiger Woods, quand il a été numéro un mondial, il a décidé de changer de coach, les gens ont dit au moment, mais il est complètement taré, enfin, tu vois, il est numéro un mondial, enfin, qu'est-ce que tu veux, tu vois, enfin, t'es le meilleur joueur au monde, pourquoi changer quelque chose qui marche bien? Et il l'a fait à trois reprises, même peut-être plus, je crois, quatre. Et il est redevenu numéro un mondial à chaque fois, donc c'est parce que il avait constamment besoin, il avait soif, D'avoir ouais, il cette s'est dit, ouais, je suis arrivé à mon pic. Une personne qui dit, moi je veux passer 5 jours avec vous messieurs, c'est vrai, j'apprends tous les jours, mais aujourd'hui c'était vraiment très très fort. Merci beaucoup pour ce commentaire. merci. Jean-Claude qui dit, j'ai encore appris beaucoup de choses, merci messieurs, à une prochaine fois avec plaisir. Comment faire quand on rate sur le même trou avec le même club? Ok. Tac, je suis sûr que j'aurai progressé mentalement d'ici la fin du confinement. On n'aborde pas assez l'aspect mental dans les écoles de golf. Ben qui dit. Je suis en train de lire quelques commentaires là. Ah ouais. On n'a pas assez interagi, mon Lewis. J'aurais préféré qu'on interagisse plus avec les gens. Ouais, ben le truc c'est qu'il y a beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas beaucoup de questions en Y a pas fait. de Tu vois, il y a problème avec beaucoup ça? Bon, ça va. d'encouragement. J'espère Tu qu'on vois, a il y a pris. Morgane qui dit c'est excellent, j'adore, vraiment passionnant. Merci beaucoup à vous deux pour ce live et votre Cool. partage. Alors là, c'est des questions plutôt pour 17h. Le practice sera autorisé à la reprise. On aura plus Ah, c'est de. 17h, les gars. Faut revenir à 17h. La practice doit-elle être travaillée au practice avant chaque cours? Alors, ça rentre ça rentre dans un secteur de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on peut absolument travailler les différentes routines. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de les travailler à la fois au practice et sur le parcours. Donc, c'est pour ça qu'il y a des parcours. Et là, je vais juste faire un petit point là-dessus parce que c'est hyper, hyper important. Il faut comprendre quand vous allez faire un parcours, quel est l'objectif de ce parcours? Est-ce que vous allez simplement jouer avec des potes et vous y allez pour, tu vois, juste voilà, rigoler et machin? Ou est-ce que vous êtes dans une dynamique vous êtes vraiment à la recherche de la performance, baisser votre index et donc du coup on est dans le mode scoring et on veut essayer de jouer la meilleure partie possible? Ou est-ce que vous êtes en mode entraînement?
comme moi je l'étais avec mon papa, où je l'explique au mois d'août, on est arrivé sur le parcours, on a posé 2-3 balles, on a tapé quelques balles, et du coup le score il passe complètement à côté. Donc la routine, je la mets dans cette catégorie où vous pouvez, un, oui, la travailler au practice sur les différents coups, donc le driving, les fers, le petit jeu, le putting, pour établir une sorte de base de travail au practice, comprendre qu'est-ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous êtes plus un joueur qui est dans la sensation, dans le visuel? Est-ce que vous aimez bien visualiser la trajectoire? Est-ce que vous, plutôt comme un joueur comme Tiger Woods, vous aimez bien sentir la trajectoire dans les mains? Enfin, tu vois, il y a plusieurs façons d'adopter ça. Et puis là, voilà, il y a Joël et moi, ça sera un grand plaisir pour nous de vous coacher sur ces éléments-là. Et il y a la deuxième phase de la validation de la routine, où là, quand vous allez sur un parcours de golf, vous allez réaliser qu'il y a une partie de la routine qui a bien fonctionné au practice, et peut-être qu'il y a des éléments qu'il faut rajouter ou modifier quand vous êtes sur le parcours, parce que vous n'êtes plus dans les mêmes conditions que lorsque vous étiez sur le practice. Donc, il y a une sorte de une partie ou deux à faire quand vous êtes sur le parcours pour valider si la routine est efficace ou non. Et ensuite, il y a la troisième phase où lorsque vous jouez avec des amis ou vous êtes en compétition et que vous mettez en place cette routine, si vous voyez que dans cette routine, il y a quelque chose sous pression qui, je sais pas, il y a un truc qui allait pas, à ce moment-là, c'est important à la fin de pouvoir dire, bah, tu vois, ça, c'était bien en practice, mais finalement, sous pression, ça marche pas. Bon, alors ça, je l'enlève et je le remplace par ça. Et ça va être du test and learn pendant un moment. Il n'y aura pas la routine magique qui va arriver du jour au lendemain. Ça va être du test and learn pendant entre 5 et 10 parties, où là, vous allez commencer vraiment à peaufiner, à peaufiner, à peaufiner, jusqu'au moment où vous allez retrouver votre routine idéale qui est béton dans toutes les conditions de jeu possibles. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Joël, par rapport à… Que du bien, mon Lewis, que du bien. Je sens que ça fait 1h37. Bah non, mais j'ai rien à rajouter là, c'était bien, là. Ça a été bon. Hein. Allez, on va lire quelques commentaires avant de vous quitter. Merci pour votre live. Il nous faudrait un coach mental et plus vous deux pour un prochain live. À quand les stages? Tac. Alors, mauvaise nouvelle, Omega Masters, cran sur ciel annulé. Ah, il va y avoir beaucoup de tournois annulés encore. On a plein de déclics. C'est pas facile hein, de lire les commentaires et puis en même temps de... On va revenir plus fort, plus motivé, en cassant la routine. Hein. Ok, bon, ouais, il y a beaucoup de messages d'encouragement et j'essaie de chercher les questions, Joël. Hein, je suis désolé, j'essaie de, en même temps. On a tellement bien traité les sujets qu'il n'y a pas de questions. Bah, tu vois, il y a Michel qui dit comment se mettre dans sa bulle quand on est distrait. Ben, c'est là où l'élément de la routine, tu vois, c'est ce qu'on a évoqué. Donc peut-être regarder ce live en replay. Parce que justement, bah, comment se mettre dans sa bulle quand on est distrait, bah, c'est que la routine n'est pas la routine que tu as, si tu en as une. La routine, il y a des choses à peut-être à améliorer ou à peaufiner pour te permettre de te concentrer sur ce que tu dois faire. Michel, essaie de te rappeler quand tu as bien joué, tu vois, sur une partie, sur 9 trous, sur machin, quand tu as eu un bon passage, essaie de te rappeler chaque étape, tout ce que tu faisais, ce que tu ne faisais pas, etc. Et ça va t'aider à retrouver ce qui marche pour toi. Ok, top. Joël, je crois que tu vois, on a dépassé. On avait dit une heure, et puis après, on avait dit une heure, mais peut-être qu'on ferait une heure et demie, et puis là, ça fait 1h30, 40. Donc, on a. Time, je lance. 25 points de pénalité, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour les personnes qui regardent, parce qu'il y avait pas mal de questions par rapport à la reprise des stages, des cours, etc. Alors, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui sont passés. Donc, ce qu'on fera, si vous le souhaitez, et uniquement si vous le souhaitez, évidemment, à la fin de ce live, quand il sera terminé, c'est qu'on mettra dans la zone de commentaires le lien qui vous amènera sur les différentes choses que Joël propose, qui sont top. Il propose à la fois des journées en présentiel où Joël va dans des golfs et vous pouvez aller le rencontrer pour justement approfondir sur la première phase de la régularité où il parle de personnalisation, etc., qui sont vraiment intéressantes. Tu fais des journées de coaching avec un spécialiste aussi dans ce domaine-là. Donc, vous êtes deux spécialistes en fait à partager des journées ensemble, il me semble. Joël, corrige-moi si là, je me trompe. Le lien que je t'ai envoyé, mon Lewis, c'est pour offrir trois séances d'une demi-heure de coaching. En fait, c'est des séances qui ont été enregistrées. Ils font partie du Home Coaching Live. Je ne t'avais pas prévenu. Mais voilà, vous allez dessus, vous comment dire, et vous avez accès sur cette page-là, vous aurez accès à trois demi-heures. Et comme ça, si vous ne connaissez pas ma façon d'enseigner, vous allez découvrir. Il y a une séance sur le swing, une sur le putting et une sur le petit jeu. Voilà. C'est cadeau pour ceux qui veulent les avoir.
C'est là-bas. Ce qui est top là-dessus, parce que j'en ai regardé deux, moi, sur les trois, et c'est la différence entre la théorie et l'action. Et donc, même si, voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous complémentent par rapport à ce live, on a été deux personnes, deux coachs passionnés, mais qui parlent de la théorie de la régularité, en quelque sorte. Donc, vous avez Ouais, c'est ça. évoqué les points clés de la régularité, mais de façon théorique. Et là, ce qui est génial, en fait, avec les séances que propose Joël, c'est qu'en fait, Joël est là, debout, en action. Et en gros, vous êtes en action avec lui. Vous êtes là avec un club de golf et là, on passe de la théorie à l'action. Et donc, du coup, la question a été posée tout à l'heure, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ce confinement et retrouver mes sensations? Eh bien, la théorie, c'est top d'une façon à ce que dans les 2 derniers mois, à travers ce confinement, vous avez appris plein de nouvelles choses. Mais si cette théorie, elle n'est pas mise en application d'une certaine façon, c'est presque comme si cette théorie, elle sert à rien, quoi. Donc, il faut C'est savoir la ça. mettre en action de la meilleure façon possible. Et c'est pour moi la grande différence entre l'enseignement et le coaching. C'est que le coaching, on est plus dans l'action. Et puis donc, du coup, voilà, c'est notre job à nous de vous permettre de retrouver les parcours de la meilleure façon possible. Donc, allez cliquer sur le lien, je vous mettrai dans la zone de commentaires. Et puis, pour nous, on se retrouve à 17h. Je serai à nouveau en direct dans un peu plus d'une heure maintenant. T'arrêtes pas, mon Lewis, toi. Ouais, là, Hey. ça. Moi, j'attends le T'es déconfinement. surexploité, là, le jour du golf, tu te surexploites, là, ça va pas. On sera avec le médecin fédéral, donc le médecin de la Fédération française de golf, où justement il y a eu pas mal de questions Tu tout auras à l'heure son sur masque? Ouais. l'entraînement. Voilà. Ouais, voilà, moi Voilà. on va poser justement, on va lui poser toutes les questions. Et puis le but de ces lives à 17h le vendredi matin avec le journal du golf, c'est qu'on part sous forme de débat. Et là, en gros, le rédacteur en chef nous dit, les gars, il n'y a pas de questions qui ne sont pas possibles à poser. Vous pouvez poser toutes les questions, voilà, soyez créatifs et puis l'inviter et sera en mesure de répondre. Et donc du coup, bah, nous on Il a n'y a des pas de questions. joker, hein. Ouais, voilà, Sans nous joker. voilà, y a pas de. Et puis donc du coup, c'est pour ça qu'on nous demande de participer parce que voilà, on a la liberté de pouvoir s'exprimer un peu plus librement. Et pour le coup, le médecin de la Fédération française de golf, on a pas mal de questions sur comment va se passer ce déconfinement sur les golfs, tu vois. Comment est-ce que les amateurs, quand ils arrivent dans leur club, quand ils se garent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent porter un masque, pas un masque? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de toucher, pas toucher? Enfin, tu vois, il y a plein de questions qu'on se pose. Tout à l'heure, moi, j'avais une question, je me suis dit, tu vois, nous qui sommes les coachs, comment est-ce que les coachs peuvent se préparer de la meilleure façon, tu vois, dans leur club pour accueillir 7 à 10 personnes en coaching tous les jours et pour que les amateurs puissent se sentir en sécurité, tu vois? Parce que peut-être qu'il y a des amateurs qui sont un peu frileux pour les retourner s'entraîner. Donc, toutes les questions sont orientées vers Première quelles qui sont les me vient. solutions, quoi. Moi, la première qui me vient, mon Lewis, c'est on touche tous notre balle, on va tous la mettre dans le trou. Ok, même s'il y a des systèmes pour les enlever, la balle aurait été en contact avec ce système pour l'enlever. Et donc, tu vois, au niveau transmission du virus, ça serait la première question que je poserais au docteur, tu vois. Et tu vois, les balles, je n'avais pas pensé aux balles. Mais ça, c'est une très bonne question parce que je pense que tous les amateurs ont compris que ben, tu vois, les clubs, bon, ben, les clubs Ouais, ont. ok. Quoi, les Mais là, clubs, tu peux les. la balle, on la touche, Mais la on la balle, met oui, dans le trou. T'as beau l'enlever avec le truc, le machin, le truc, elle a été en contact avec la coupe, là, avec le truc. Et les sauts de balles aussi. Admettons que, je sais pas, Ouais. moi, tu mets ta balle dans la forêt, il y a un autre mec qui la retrouve, un autre joueur Encore qui les la. sauts de balle. T'es pas obligé, les sauts de balle, t'es pas obligé de les toucher. Tu peux trouver une combine avec ton club, avec ton machin, mais ramasser ta Ouais, mais balle, tu l'as. t'imagines si chaque joueur arrive au practice avec leur club de balle en essayant de tenir le saut. Enfin, ça. Bon, en tout cas, Joël, un énorme merci à toi. J'espère qu'on Merci sera à toi de ramené m'avoir invité. à un moment ou à un autre dans les prochaines semaines à effectuer un live ensemble. En tout cas, un grand bravo à toi parce que tu fais partie de ces acteurs du golf français qui, pendant ce confinement, ont proposé beaucoup de choses pour les amateurs de golf pour que on puisse vivre ce confinement de la meilleure façon possible. Et donc, du coup, voilà, je sais qu'il y a des milliers d'amateurs qui ont profité de ton coaching parce que tu me l'as dit la semaine dernière quand on s'est eu, tu m'as dit qu'il y avait 900 personnes qui étaient dans ton groupe de coaching quotidien. Est-ce que c'est toujours le cas ou il y en a plus? On a passé les 1000 là, on a passé les 1000, mais 1000. au-delà de ça, je voudrais quand même féliciter ouais, toutes les personnes comme toi, comme il y a aussi Michel Téché, il y a aussi, enfin il y a plein d'acteurs du golf qui font des, qui ont, qui invitent des joueurs, qui les font parler, des entraîneurs, etc. Et franchement, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un régal pour nous tous quoi, que ce soit coach, etc. Comment il s'appelle Guillaume Biogeau m'a fait découvrir le travail que tu connais très bien, tu disais de Cédric Denis sur Sky l'application Golf. Sky Golf, etc. Et donc ça a permis à tout le monde de s'ouvrir. On a eu
plein d'informations. Alors, comme tu dis, après, la différence entre connaissance et compétence, c'est la pratique. Mais ça a ouvert, je pense, à chacun d'entre nous des perspectives pour le futur, que ce soit pour notre niveau ou pour notre enseignement, pour ceux qui sont pros, et pour les amateurs, leur progression, etc. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Donc, merci aussi au Journal du Golf. Et à toi, Lewis, pour tout ce que vous avez fait là, pendant ce confinement. C'était génial. J'ai hâte qu'on se retrouve tous les deux autour d'un verre ou d'un plat pour qu'on puisse échanger sur toutes les choses qu'on a fait durant. Parce qu'il y a tellement de sujets qu'on a abordés durant ce confinement. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et donc, du coup, on va pouvoir. Tu sais, même nous, on a appris aussi, enfin, tu vois, à travers ces lives, moi, le fait d'avoir fait des lives avec plein d'invités. Ah, ben forcément. C'est énorme. Donc, voilà. Alors, il y a plein de messages pour nous, pour nos joueurs. Je te les lis rapidement. Merci, trop top, votre duo. Régis Bertrand qui dit ça. Tac, tac, tac. On touche pas. Ça, c'est par rapport aux mesures de sécurité. On touche pas la casquette. Ok, top. Bravo. Donc, merci encore à tous d'avoir regardé ce live. Un grand merci à Joël pour son temps parce que ça fait presque 1h40. Ça fait 1h46. On a fait un record, Joël. Alors, le record, c'était hier soir. Il y avait 4 heures de live, mais c'est un record de pro qu'on avait fait depuis le début. Donc, tu vois, je suis content que ça ait été avec toi. Et puis, fais un bon coaching ce soir. C'est à 19h que tu fais tous les soirs ton coaching. Je mettrai le lien dans la zone de commentaires pour les personnes que ça intéresse. Et puis d'ici là, nous on se retrouve à 17h pour parler avec le médecin fédéral. On va le mettre un peu au charbon, un peu, on va le faire travailler. Allez, à tout à l'heure les gars, merci beaucoup, à bientôt. Merci, bye.